السلام عليكم. On commence le webinaire. Bonjour tout le monde. Bonjour et bienvenue à tous à ce webinaire passionnant et très pertinent consacré à la transition énergétique ambitieuse du Maroc dans un contexte global où la lutte contre les changements climatiques et la promotion du développement durable ne sont plus simplement être des options, mais des impératifs. Le Maroc a fait des pas de géant dans cette direction, s'engageant fermement à augmenter la part des énergies renouvelables dans son mix énergétique, non seulement en réponse aux défis du climat, mais aussi comme un élément central de sa stratégie de développement socio-économique. Mais la mise en œuvre d'une transition énergétique réussie repose sur plusieurs piliers clés. Cela inclut un cadre réglementaire solide et évolutif que le Maroc a activement façonné, en témoigne la publication déjà de plusieurs lois, notamment la loi 90-19 février 2023, qui, avec d'autres lois, vise à améliorer le paysage législatif et réglementaire pour la réalisation des projets d'énergie renouvelable. Cependant, le chemin vers la transition énergétique comporte son lot de défis, notamment sur les plans économiques, techniques, institutionnels, juridiques et réglementaires. Les questions de, par exemple, de stabilité du réseau, le renforcement de l'expertise locale, la recherche et développement, ainsi que l'innovation, se présentent comme des domaines nécessitant une attention particulière pour assurer une progression harmonieuse vers les objectifs énergétiques du Maroc. Nos objectifs aujourd'hui, dans ce webinaire, sont donc multiples. Nous souhaitons mettre en lumière les opportunités qu'offre le nouveau cadre législatif et réglementaire, explorer les défis actuels et à venir, et bien sûr informer et sensibiliser quant à l'importance et l'impact de ces lois sur les entreprises, les citoyens et le développement des énergies renouvelables dans le pays. Ce webinaire vise également à vulgariser, et ça c'est très important, les mesures réglementaires et informer sur les dispositions disponibles pour y bénéficier de la nouvelle réglementation. Et dans cet esprit de dialogue et de concertation, votre participation est essentielle pour contribuer à la formulation de recommandations concrètes qui aideront à accélérer le développement du secteur des énergies renouvelables au Maroc. Merci de vous joindre à nous aujourd'hui et nous attendons avec impatience une session riche en information, discussion et découverte. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'avoir avec nous des experts éminents dans le domaine de l'énergie renouvelable et de la transition énergétique pour discuter des défis et des opportunités associées au cadre juridique et réglementaire dans ce secteur vibrant et en constante évolution. En premier lieu, nous avons l'honneur d'accueillir Madame Leïla Ben Ali, ministre de la Transition énergétique et du Développement durable. Monsieur Kajbelam. D'abord, je tiens à remercier l'ensemble qui sont présents avec nous physiquement et qui se sont mobilisés pour être avec nous cet après-midi, mais aussi ceux qui sont connectés. En deuxième lieu, il y a lieu de préciser que Madame la ministre, Leïla Ben Ali, s'excuse pour une raison qui était hors de sa portée, puisque un conseil de gouvernement se tient en ce moment. Mais elle peut toujours y venir si ce conseil se termine avant le webinaire. Et il tient à remercier l'ensemble des participants. Merci. Oui. La parole est à Madame la ministre, parce qu'on a fait un enregistrement juste une heure avant. Monsieur le Président de l'UM6P, Madame la Directrice Générale du Cluster des Énergies Renouvelables, Monsieur le Vice-Président du Conseil Mondial de l'Énergie pour la Région Afrique, Mesdames et Messieurs les Présidents, les Directeurs Généraux, Mesdames et Messieurs les Chercheurs, bonjour.
C'est avec un énorme intérêt que je procède aujourd'hui à l'ouverture de ce troisième webinaire du ministère de la Transition énergétique et du Développement durable. Nous avons décidé de le consacrer aujourd'hui à la réglementation des énergies renouvelables et de l'autoproduction parce que nous sommes convaincus que ce sont des leviers d'accélération, bien entendu, développement des énergies renouvelables, mais également des leviers de l'équité et de la transparence. Nous insistons aujourd'hui sur ce cadre législatif et réglementaire pour également renforcer le réseau électrique national. Je voudrais remercier nos partenaires, l'UM6P, le cluster énergie renouvelable et le Conseil mondial de l'énergie pour leur contribution à l'organisation de ce webinaire. J'aurais voulu être avec vous, bien entendu, mais mon agenda ne me permet pas d'être parmi vous. Je tiens également à remercier toutes les personnes présentes physiquement et celles connectées à distance pour votre participation à ce webinaire. Et j'espère que nos principaux objectifs d'aujourd'hui vont être tenus, c'est-à-dire d'abord partager avec vous, mais également de débattre sur le nouveau cadre législatif et réglementaire qui régit le développement et l'essor des énergies renouvelables. Nous avons également les défis qui sont liés à la montée en puissance des énergies intermittentes, en haute tension, en moyenne tension et également en basse tension. Et nous avons également des actions d'efficacité énergétique que nous voulons déployer à grande échelle. Mesdames et messieurs, dès 2009, notre pays s'est engagé résolument dans une transition énergétique très ambitieuse pour augmenter la part des énergies renouvelables. Et de manière volontariste et prospective, nous sommes engagés dans cette voie, dans une transition énergétique pour un développement durable et de lutte contre le changement climatique. Pour favoriser cette montée en puissance et permettre le développement de projets qui soient économiquement viables, il y a des leviers essentiels qui ont été identifiés. Et je pense notamment à la réglementation, mais également au renforcement du réseau électrique national, ainsi que la transparence notamment sur les coûts et la production décentralisée. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, à l'échelle mondiale, l'atteinte des objectifs en matière de climat et d'énergie nécessite d'ajouter aujourd'hui ou de remplacer plus de 80 millions de kilomètres de lignes électriques d'ici 2040, selon le dernier rapport de l'Agence internationale de l'énergie. C'est équivalent à construire ou à reconstruire ce que le monde a construit pendant les 100 dernières années. Les acteurs privés, nationaux et internationaux jouent également un rôle clé en apportant bien entendu leur expertise, mais également leur technologie, leur gestion des risques et leurs ressources financières. Comme vous le savez, mesdames et messieurs, la capacité installée aujourd'hui de sources renouvelables a atteint environ 4,5 gigawatts avec un investissement qui s'élève à plus de 60 milliards de dirhams. Le plan d'investissement, le plan d'équipement électrique national 2023-2027, prévoit une capacité additionnelle de plus de 9 gigawatts, dont à peu près 7 gigawatts d'énergie renouvelable et nous avons presque 2098 mégawatts d'énergie thermique, de gaz naturel, qui sont des moyens de flexibilité pour accompagner justement cette intégration massive des énergies renouvelables, mais également pour assurer la fiabilité et la flexibilité nécessaires au système électrique national. Nous avons également noté avec grande satisfaction l'augmentation du taux d'électrification rurale à plus de 99,8% à fin 2022 et 99,96%, inshallah, à fin 2027. Mais afin de pouvoir accueillir cette capacité additionnelle massive et afin d'accompagner la finalisation de notre électrification à plus de 100%, dans les meilleures conditions, notre ministère attache la plus haute importance au renforcement et au développement de notre réseau de transport et de distribution électrique et la levée de toutes les contraintes, des contraintes bien entendu techniques, mais également économiques. Nous voulons intégrer de manière optimale les énergies renouvelables et toutes les autres nouvelles options technologiques. Nous voulons approvisionner l'électricité vers les différentes régions de notre pays dans les meilleures conditions possible. Comme vous le savez, mesdames et messieurs, le nouveau modèle de développement a fait de la modernisation du réseau une mission stratégique de l'ONE et l'un des 5 piliers d'une réforme profonde du secteur électrique. Donc l'objectif aujourd'hui pour notre pays est bien entendu une réduction drastique des coûts de l'énergie, mais également l'accroissement de l'attractivité pour les investissements et la création, mesdames et messieurs, d'un vrai choc concurrentiel et d'investissement. Pour les énergies renouvelables, une capacité additionnelle de 7 gigawatts est bien entendu programmée dans le plan d'équipement, avec un investissement de l'ordre de plus de 70 milliards de dirhams.
ce programme d'investissement dans le réseau de transport d'électricité est d'environ 23 milliards de dirhams sur la période 2023-2027. C'est une moyenne annuelle de l'ordre de 4,6 milliards de dirhams contre 1 milliard de dirhams par an sur la période 2009-2022. Nous essayons de multiplier ce rythme d'investissement par plus de 4. Les mesures qui ont été entreprises pour accélérer la transition énergétique incluent bien entendu l'augmentation de la cadence des réalisations des projets d'énergie renouvelable, 70% de la capacité du plan d'approvisionnement électrique, en programmant bien entendu la réalisation d'environ 1,4 gigawatts annuels au lieu de 0,16 gigawatts par an au cours de la période 2009-2022, l'accroissement de l'investissement annuel de plus de 14 milliards de dirhams pour les ENR entre 2023 et 2027 contre 3,5 milliards de dirhams annuels entre 2009 et 2022. Et bien entendu, l'investissement annuel devra être augmenté de plus de 4 fois, ce qui montre l'engagement de ce ministère en collaboration avec les partenaires publics et privés pour réussir notre transition dans les énergies propres. Ce programme d'investissement ne peut pas se faire en continuant avec les business models initiaux de génération centralisée. Et nous voulons, c'est pour ça que nous insistons sur la distribution décentralisée. L'encouragement également du gaz naturel, puisque nous avons programmé 2 gigawatts, qui représentent à peu près 23% de la capacité du plan d'équipement électrique. Et grâce à sa faible teneur en carbone et sa polyvalence, le gaz naturel est un élément essentiel pour notre transition énergétique et pour notre décarbonation. Il permettra bien entendu une plus grande pénétration des énergies renouvelables intermittentes au niveau central et même au niveau distribué dans le réseau et apportera cette stabilité et cette efficacité du système électrique que nous voulons. Le renforcement des systèmes de stockage. Nous avons programmé des stations de conversion d'énergie par pompage, mais également des systèmes de stockage par batterie d'ici 2030. Mesdames et messieurs, je tiens à insister sur le fait que lors de nos discussions avec les bailleurs de fonds et lors de la révision de la stratégie énergétique marocaine de 2009, nous donnons des chiffres qui consistent à dire qu'en multipliant les investissements, la cadence des investissements par 5, nous devons de toute façon injecter plus d'un milliard de dollars d'investissement par an dans le secteur de la transition énergétique marocaine. Et ce milliard de dollars d'investissement par an, commençant en 2023 jusqu'en 2030, va augmenter à 1,2 jusqu'à 1,5 milliard de dollars par an après 2030. Et pour avoir plus de détails, je vous invite à regarder les études qui ont été mises sur le site web du ministère et dans le... avec l'agilité nécessaire et parce qu'il marque un vrai tournant, une vraie rupture. Pour réaliser, bien entendu, les grands projets d'énergie renouvelable, mais également les petits projets qui ont un énorme impact sur le consommateur. Et également pour faciliter l'acte d'investissement pour les opérateurs privés de grande échelle et de petite échelle. Cette refonte, que nous estimons très importante pour la marche du pays, devra être accompagnée par d'autres leviers pour surmonter toutes les contraintes techniques, notamment le développement du réseau électrique national de transport et les réseaux de distribution, ainsi que les systèmes de backup et les réserves qui doivent être suffisantes. Grâce à ce nouveau cadre législatif et réglementaire, nous espérons que l'autoproduction deviendra non seulement possible, mais réelle, quelle que soit la puissance, quelle que soit la nature du réseau électrique et quelle que soit la source de l'énergie. Elle peut être individuelle, avec un unique producteur et un unique consommateur, ou collective, comme à titre d'exemple, le cas des syndics d'immeubles où plusieurs consommateurs ou plusieurs producteurs peuvent se mettre ensemble. Il marque également une étape cruciale dans l'élargissement de l'accès aux énergies renouvelables pour la basse et la moyenne tension pour faciliter l'émergence d'un écosystème productif autour des technologies des énergies renouvelables. Donc la mise en œuvre de cette réforme, mesdames et messieurs, avec vous,
devrait garantir la transparence en matière des tarifs, par exemple des service systèmes, qui doivent être validés et publiés par l'ANRE en tant qu'autorité indépendante. Cette refonte prévoit la publication, à partir de janvier prochain, de la capacité d'accueil du système électrique national en matière d'énergie renouvelable et sa mise à jour très régulière, ce qui permettra de donner de la visibilité aux investisseurs, grands investisseurs et petits investisseurs, en matière d'opportunités d'investissement. Elle donne également la possibilité aux développeurs privés de développer des capacités de stockage d'énergie et d'utilisation des services de stockage afin de renforcer la flexibilité du système national. Et en vertu de ces deux lois, il a été instauré pour la première fois le droit aux autoproducteurs et le droit aux exploitants d'installation d'énergie renouvelable d'avoir un certificat d'origine et d'accéder également aux services de stockage. Ces certificats d'origine dont je parle justifient que l'électricité produite provient effectivement de sources d'énergie renouvelable. Cela permettra aux investisseurs et aux industriels de toute échelle de saisir de nouvelles opportunités, de commercialiser des produits verts sur le marché national, mais également sur le marché international, et d'éviter ainsi et de tirer profit de toute éventuelle taxe carbone aux frontières. L'entrée en vigueur du Code du réseau national de transport d'électricité en janvier 2022 revêt également une grande importance et je vous invite à nous aider à mettre en place ce cadre transparent et équitable pour la planification et l'exploitation du réseau de transport d'électricité, encore une fois pour renforcer sa sécurité, sa fiabilité, son efficacité, sa rentabilité et surtout augmenter les investissements dans ce réseau. L'adaptation du code réseau aux spécificités du système électrique marocain est essentielle pour soutenir la politique énergétique du pays et anticiper, bien à l'avance, les besoins du réseau électrique en prévision de cette intégration qui, je l'espère, sera très importante des énergies renouvelables dans notre mix d'ici 2030. Le renforcement de l'expertise locale, notamment en matière de recherche, de développement et d'innovation, est essentiel et est de nature à contribuer encore plus à l'émergence rapide d'un écosystème de technologies propres au niveau national et à la création d'un avenir énergétique plus durable. Et ces dynamiques devraient être accompagnées de plusieurs mesures d'encouragement, notamment l'information des différents publics sur les nouveautés, les opportunités offertes par la nouvelle réglementation, ainsi qu'une disposition offerte pour en bénéficier dans le secteur de la génération électrique, du transport de l'électricité et de la distribution, stockage et de la gestion du réseau. Ce nouveau cadre législatif et réglementaire offre aujourd'hui des solutions pour doter en énergie propre des initiatives et des programmes lancés par notre pays, notamment, comme vous le savez, le programme de décarbonation industrielle qui vise à doter toutes les zones industrielles d'une énergie propre et compétitive, le programme des stations de dessalement d'eau par des unités de production d'énergie renouvelable, et le PERG 2.0 pour finir l'électrification rurale au niveau de tout notre pays à travers l'accès aux énergies renouvelables des zones éloignées du réseau électrique en utilisant notamment des mini-grids, des mini-réseaux alimentés en petites centrales d'énergie renouvelable décentralisées et du stockage avec des batteries. Et notre pays, je l'espère, disposera de tous les atouts pour développer un modèle énergétique durable, fiable, en se basant bien entendu sur son potentiel en énergie renouvelable, sur la mise en place d'un cadre réglementaire attractif et sur son potentiel humain pour pouvoir améliorer ce cadre réglementaire de manière régulière et flexible tous les ans et offrir, je l'espère, un environnement favorable et attractif à tous les investissements privés et en assurant un cadre incitatif qui facilitera l'acte d'investir et renforcera la transparence en matière de coûts, la transparence en matière d'opportunités d'investissement pour les opérateurs et les bailleurs de fonds. Pour conclure, mesdames et messieurs, je réitère mes vifs remerciements à tous les participants et organisateurs de ces webinaires. J'aurais espéré être parmi vous et je suis persuadée que les échanges fructueux qui auront lieu dans ce webinaire, que je regarderai avec beaucoup d'intérêt, aboutiront à des propositions concrètes pour nous permettre de contribuer à réussir notre transition énergétique de manière agile, flexible et dans le temps. Je vous remercie. Merci, Madame la Ministre, qui a mis en lumière les grandes orientations stratégiques du Maroc pour le développement des énergies renouvelables. Maintenant, nous invitons Monsieur Omar Khadir, qui
qui est là pour représenter l'UM6P. Je tiens d'abord à exprimer ma gratitude au nom de l'Université Mohamed VI Polytechnique à nos chers partenaires présents aujourd'hui. Merci Madame la Ministre, merci Madame la Directrice du Cluster ENR, Monsieur le Vice-Président Afrique du Conseil d'énergie, Monsieur le Directeur et chers participants. Je pense qu'il y a aujourd'hui un consensus sur le fait que la transition énergétique donc, est un impératif d'abord économique, mais qui nécessite aussi une réponse coordonnée. Et je pense que notre présence aujourd'hui tous, avec cette diversité d'acteurs, témoigne de l'intérêt que portent les différents profils intéressés au secteur. Et donc, il faut une convergence des efforts pour concrétiser les ambitions du pays. Donc, la durabilité deviendra donc un modèle économique central. Parce qu'aujourd'hui, nous avons la chance au Maroc d'avoir une qualité de gisement, que ce soit éolien ou solaire, mais aussi une qualité du potentiel humain. Donc, nous avons toutes les compétences et il faut qu'on travaille main dans la main donc, pour transformer donc, ces potentiels en des projets concrets. Donc, c'est pourquoi au niveau de l'UM6P, nous investissons massivement. Donc, d'abord sur le volet académique, qui a la vocation première de l'université, mais pas seulement. Donc, pour matérialiser ces efforts, donc nous avons donc un partenariat donc très proche avec IRESEN à travers le Green Energy Park, qui est une plateforme de recherche de pointe. Mais nous faisons également le pas vers l'échelle industrielle à travers Innovix, qui a également donc la mission de concrétiser les ambitions du groupe en termes de déploiement de capacités de production d'énergie propre. Donc, je pense qu'il est important d'encourager et d'entretenir ces forums de dialogue qui nous permettent donc, de nous aligner et d'aller vers l'avant pour concrétiser les ambitions des acteurs publics et privés et du Royaume du Maroc. Merci. Merci, M. Kadir. Maintenant, nous invitons aussi Madame Fatima Zahra Khalifa, directrice générale du cluster ENR. Bonjour à tous. Vous m'entendez? Oui, on vous entend bien. Oui. Bonjour à tous. Bonjour, donc, Madame la Ministre, Monsieur le Président du UM6P, Monsieur le Vice-Président Afrique du Conseil mondial de l'énergie, Mesdames et Messieurs les participants, Mesdames et Messieurs les auditeurs et auditrices, je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui pour ce troisième webinaire organisé par le ministère de la Transition énergétique et du Développement durable. Je tiens à remercier les organisateurs et notamment le Morocco Future Energy Leaders pour cette initiative. Il faut savoir que cet atelier a une importance cruciale. C'est un atelier aujourd'hui qui est participatif. C'est un atelier qui va nous permettre de présenter les nouveautés législatives. Je tiens également à remercier le ministère de nous avoir impliqués dès le début de la démarche, ainsi que l'ensemble des associations professionnelles. Nous avons reçu l'ensemble des projets de décrets d'application des lois que nous avons attendues et que nous attendons depuis très longtemps. Donc, nous sommes vraiment ravis de cette nouveauté, d'avoir été impliqués, de voir un cadre aujourd'hui réglementaire qui restaure la confiance, qui donne beaucoup plus de visibilité aux investisseurs, qui permet justement, comme l'a souligné Madame la Ministre, de pouvoir injecter, que ce soit en moyenne tension, en basse tension, qui ouvre de nouvelles perspectives pour l'autoproduction et pour le décentralisé, qui est un élément clé pour accélérer la transition énergétique. Le titre de ce webinaire est très important aussi. Le mot « refonte » a tout son sens. Une refonte est un processus qui est long, qui est itératif, participatif,
Il faut savoir également que le secteur des énergies renouvelables ou de la transition énergétique de façon générale est un secteur qui évolue très rapidement, donc avec des changements. Il faut s'adapter aux évolutions technologiques, aux besoins du marché, à la maturité des acteurs et des opérateurs. Donc tout ce processus-là est un processus très complexe avec des contraintes que nous connaissons tous et nous sommes ravis aujourd'hui d'aboutir à un premier jet justement de décrets et de propositions. Nous les avons lus avec beaucoup d'attention ainsi que l'ensemble des opérateurs et du secteur privé, des opérateurs économiques. Nous avons émis nos commentaires, nous espérons et nous sommes convaincus que les commentaires du secteur privé seront pris en compte et seront considérés dans le cadre de la finalisation de ces projets et ces textes de loi réglementaire d'une importance cruciale pour l'accélération de la transition énergétique. Ces ateliers ont également un rôle clé pour pouvoir permettre et accompagner le secteur privé dans l'adoption de ces textes de loi, dans la compréhension des textes de loi et surtout pouvoir comprendre et assimiler les subtilités et les nouveautés. Comme vous le savez, il y a de nouveaux textes. Il y a des textes qui complètent les anciens textes. Il y a de nouvelles possibilités, de nouveaux textes. Donc, il est très important pour nous, en tant qu'acteurs du secteur privé, de bien les comprendre, mais également de connaître les processus et les procédures pour pouvoir accéder justement et bénéficier de ces nouveautés réglementaires et des opportunités qu'elles offrent aux entreprises et aux opérateurs du secteur. Donc, comme je l'ai dit aujourd'hui, pour moi, la confiance est restaurée. Nous sommes dans une démarche de confiance. Nous sommes dans une démarche d'évolution vers un cadre que j'espère favorable pour les développements de notre économie verte. Le cadre, comme on le sait, ne peut pas être parfait. Il ne peut pas répondre à l'ensemble des contraintes. Mais nous avons aujourd'hui un cadre qui se veut cohérent, qui se veut clair, qui se veut en parfaite adéquation avec les besoins du marché ou les besoins futurs de ce marché-là. Il se veut également évolutif par rapport à la maturité des opérateurs du secteur privé. Donc, nous sommes là en partenariat avec le ministère, avec les associations professionnelles pour cette phase de mise à jour et de finalisation de ces textes, mais aussi la phase qui viendra, qui est très importante, qui est celle de la mise en œuvre, de l'accompagnement des opérateurs pour expliquer justement les procédures, les processus de façon beaucoup plus opérationnelle. D'ailleurs, vous le verrez lors des présentations, les textes sont vulgarisés, les présentations sont très claires. Je vous invite réellement à pouvoir profiter de ces présentations qui présentent de façon très claire les nouveautés et les ajouts, mais également les mises à jour des textes réglementaires. Je tiens également à rappeler le momentum dans lequel nous sommes aujourd'hui. C'est un momentum ou un contexte très favorable à notre secteur et à notre et aux activités des opérateurs privés. Les opportunités business, c'est ce qui nous intéresse le plus. Sachez que les opportunités sont là. Il existe aujourd'hui une réelle accélération, que ça soit à travers les projets de Mazen, les projets qui vont arriver très bientôt, Nordmiddel 2, mais également les autres projets lancés. Les projets lancés par l'OCP, les opportunités dans les applicatifs, les opportunités en matière de dessalement d'eau, en matière de mobilité électrique, d'hydrogène vert, d'efficacité énergétique, le déploiement aussi de technologies digitales appliquées aux énergies renouvelables. Toutes ces opportunités se traduisent par des opportunités business, par des opportunités pour les opérateurs privés. Les opérateurs aujourd'hui sont prêts plus que jamais. Et grâce à ce cadre réglementaire, pourront bien évidemment bénéficier et optimiser l'impact socio-économique des opportunités offertes. Nous avons parlé de ce cadre qui existe aujourd'hui et nous en sommes ravis. Mais il existe des points qu'il faut également clarifier, qu'il faut peut-être
aussi pour lesquels il faut avoir des réponses, comme l'a dit Madame la ministre. Il s'agit des tarifs tels que les systèmes services. C'est important aujourd'hui, en plus ou au-delà du cadre réglementaire, d'avoir une visibilité sur l'ensemble des tarifs pour pouvoir donner davantage d'informations aux investisseurs étrangers, mais également aux opérateurs privés par rapport à leur business model, par rapport au développement de leur projet économique. Donc, nous attendons également avec beaucoup d'attention la publication de l'ensemble de ces tarifs-là, mais également avoir des informations sur justement le réseau, comme l'a cité Madame la ministre, le renforcement du réseau, les capacités, le renforcement du réseau également, et l'ensemble des éléments qui viennent compléter ce cadre réglementaire et législatif pour pouvoir avoir l'ensemble des outils et justement accélérer les opportunités pour les opérateurs, mais également accélérer cette transition énergétique. Je souhaiterais également conclure en disant que ces opportunités sont importantes, certes, mais elles le seront encore davantage si nous maximisons les impacts socio-économiques de ces projets. Et pour cela, il est important de renforcer notre écosystème actuel. Aujourd'hui, nous avons au Maroc des opérateurs privés, mais aussi un cadre et des institutions, des institutionnels qui sont là pour accompagner cette transition. Nous avons des opérateurs qui sont forts aujourd'hui avec une expertise connue et reconnue. Nous sommes également là en tant que représentants du secteur privé, en tant que cluster, en partenariat avec l'ensemble des restes des associations pour renforcer les compétences des acteurs, promouvoir l'innovation, la recherche et développement, pour pouvoir favoriser la création d'emplois verts et soutenir une transition juste, transition économiquement viable et une transition qui soit durable pour nos opérateurs, mais aussi pour notre pays. Je vous remercie et je vous souhaite des échanges fructueux. Et n'hésitez pas à poser l'ensemble de vos de questions au ministère qui se fera une joie de vous éclairer et de vous donner l'ensemble des informations que vous souhaitez. Je vous remercie et bon webinaire à tous. Merci Madame Khalifa et merci aussi de nous rappeler, de rappeler aux participants vraiment de poser leurs questions. On a jusqu'à maintenant 500 personnes sur Zoom et puis le webinaire il est diffusé sur Facebook et sur Twitter. Alors nous invitons tous les participants à poser leurs questions sur ces deux plateformes. Monsieur le Farouk Brahim du Conseil mondial d'énergie vient de s'excuser, n'arrive pas vraiment à se connecter parce qu'il a un problème de réseau. Alors, on va passer directement aux deux sessions de juste. La... Bonjour, Nabil Jadera, président de Morocco Energy Leader. Donc, Monsieur Omar Farouk Ibrahim a été pris sur une autre réunion au niveau du comité exécutif du WEC, qui est une réunion qui se faisait en parallèle de ce webinaire. Et il a eu effectivement aussi un problème technique au début, mais il a dû quitter pour rejoindre cette réunion du comité exécutif. Alors, le WEC considère le Maroc comme un pays qui a une stratégie très ambitieuse au niveau des énergies renouvelables, un cadre réglementaire qui est très mature et très développé, et décidé à travailler, à contribuer à travers son réseau d'experts aux séries de webinaires et aux discussions d'experts et à mobiliser tous les experts qui sont au niveau mondial pour apporter, je l'espère, le benchmark international qui existe au niveau des cadres réglementaires pour que le Maroc bénéficie de ce réseau d'experts et des meilleures pratiques en termes de cadre législatif. Merci beaucoup. Merci. Alors maintenant, pour approfondir notre compréhension et détailler davantage ces sujets, il est temps de nous plonger dans les spécificités techniques, réglementaires, opérationnelles. Nous aurons aujourd'hui deux sessions de discussion. La première sera consacrée au cadre législatif, tandis que la deuxième abordera le renforcement du réseau électrique et la transparence des coûts. Après ces deux panels, nous allons consacrer 30 minutes à questions-réponses, différentes questions-réponses
Je rappelle encore les participants de poser leurs questions sur les plateformes Twitter et Facebook. Pour le premier panel, nos panélistes qui vont discuter aujourd'hui des cadres juridiques et réglementaires, de la simplification des autorisations administratives et encore et bien plus encore. Laissez-moi vous présenter nos éminents panélistes. D'abord, il y a M. Mohamed Ahmed, directeur des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique au ministère de la Transition énergétique et du Développement durable. Après, on a M. Nakouch, vice-président de la Fédération de l'énergie, PDG de Green of Africa. Mme Lucia Fuseli, Energy Efficiency and Decarbonization Lead pour le Fonds vert pour le climat. On va essayer que Madame Lucia va essayer de se connecter parce qu'elle est en avion maintenant et puis elle tient vraiment à se connecter à être avec nous. Et puis pour ce panel, on va voir aussi Monsieur Abdullah Bouali, Associate Program Officer pour la région Moyen-Orient et Afrique du Nord pour l'Agence internationale des énergies renouvelables, IRENA, auquel le Maroc il est membre actif. On commence avec Monsieur Mohamed Ahmed. Si pourriez-nous vous nous éclairer sur les récentes réglementations, comment le nouveau cadre législatif pourrait-il résoudre les problématiques liées à la simplification des autorisations administratives dans le secteur des énergies renouvelables? Merci. Il y a beaucoup d'attentes, Monsieur Ahmed. Merci, Monsieur. Oui, donc j'ai une présentation à projeter. Donc. Et, Monsieur le secrétaire général, messieurs les présidents de fédérations professionnelles, AMISOL, FENELEC, la Fédération de l'énergie, chers partenaires, des départements ministériels ici présents avec nous, chers partenaires de coopération, les agences de la coopération. C'est pour moi un réel plaisir de présenter le nouveau cadre législatif et réglementaire qui a été mis en place pour le développement des énergies renouvelables. Je voudrais tout d'abord remercier l'UM6P, le cluster ENR, et le Conseil mondial de l'énergie pour leur collaboration pour l'organisation de ce webinaire. Donc, cette présentation, donc, pour toi rapidement, sur... sur les axes suivants, donc, rapidement... Okay, non. Cette présentation portera sur quatre axes principaux. Le premier, c'est tout d'abord l'évolution du cadre législatif, aussi bien la loi 1309 que la loi sur l'autoproduction, les principales dispositions qui ont été apportées par ce nouveau cadre, et puis les projets de décret d'application qui sont déjà élaborés et distribué aux partenaires pour avis. Et le dernier point, c'est le rôle de ce nouveau cadre réglementaire pour l'accélération d'un certain nombre de chantiers d'initiatives lancés au niveau de notre pays. Concernant l'évolution du cadre législatif, comme il a été déjà précisé, voilà, comme il a été déjà précisé, donc la loi 1309 qui met en place les fondements du marché libre de l'électricité renouvelable a été adoptée depuis 2010. Donc il y a des textes d'application qui ont été édités et il y a certains textes qui ont connu un retard très important et qui n'ont pas permis le ministère d'autoriser un certain nombre de projets d'énergie renouvelable et particulièrement pour la filière solaire. Un autre élément qui est très important, c'est qu'à partir de 2007, nous commençons à avoir des projets d'énergie renouvelable qui n'ont pas connu de suite favorable en raison de la saturation de la capacité d'accueil dans certaines régions
du royaume. Et puis, en 2021, il a été marqué par la publication de l'arrêté sur la moyenne tension qui fixe les enveloppes d'énergie renouvelable, et puis par l'arrêté de zoning solaire qui permet aux opérateurs privés de développer des projets d'énergie renouvelable. Donc, environ 3000 MW de demandes de projets ont été reçues par le ministère, mais pour lesquels il n'a pas pu statuer parce que les deux actes réglementaires n'ont pas été publiés. Et puis, pour la saturation de capacité d'accueil depuis 2016, environ 3700 MW ont été reçus pour lesquels nous n'avons pas pu donner suite favorable en raison de la saturation de la capacité d'accueil. Les principaux objectifs de la nouvelle législation, comme elle a été d'ailleurs précisée par Madame la ministre, c'est tout d'abord le renforcement de la transparence et puis la production d'une énergie verte et compétitive, la simplification des procédures d'autorisation qui constitue aujourd'hui une orientation et une recommandation du nouveau modèle de développement, le développement de la production décentralisée, la création de l'emploi et le développement d'un écosystème national d'entreprises dans les technologies vertes, l'encouragement de l'investissement privé, mais également le renforcement de la sécurité du réseau électrique et des installations d'énergie renouvelable. Le nouveau cadre réglementaire, il a permis de réglementer un certain nombre de concepts qui ont été déjà, c'est-à-dire déployés par l'Office national de l'électricité, notamment l'application de services systèmes, le timbre poste, le timbre de transport, les capacités d'accueil, l'écrêtement, l'excédent de production d'énergie, le stockage de l'énergie. Donc, le cadre réglementaire aujourd'hui, il permet justement de réglementer ces nouveaux concepts liés au développement des énergies renouvelables. En termes d'amélioration de la transparence, le nouveau cadre législatif et réglementaire oblige les gestionnaires de réseaux de distribution à transmettre à l'Office national d'électricité leur capacité d'accueil au plus tard le 30 novembre de chaque année. Et l'ONE procède bien évidemment au calcul de cette capacité d'accueil et la soumet à l'approbation de l'ANRE qui procède bien sûr à sa publication au plus tard le 31 janvier de chaque année. Et le fait de publier cette capacité d'accueil, ça permet de donner plus de visibilité pour les opérateurs privés en termes d'opportunités d'investissement. Et c'est une capacité d'accueil qui concerne aussi bien l'autoproduction que la loi 1309. Le nouveau cadre également stipule que la fixation des frais associés au service système et l'utilisation du réseau seront fixés par l'ANRE, bien sûr après une consultation avec le gestionnaire du réseau électrique. En termes de simplification des procédures, je voudrais juste souligner que les nouveaux textes réglementaires qui ont été soumis à nos partenaires on a veillé à ce qu'elle respecte les principes de la loi 55-19 relative à la simplification des procédures, mais également d'inscrire les procédures d'autorisation des projets d'énergie renouvelable dans le cadre de l'arrêté relatif aux décisions liées à l'investissement qui exige à ce que les actes ou les autorisations soient délivrées dans un délai maximum d'un mois. Il y a également tous les délais qui sont contraignants pour les développeurs ont été augmenté, et je cite en particulier l'augmentation du délai de validité des autorisations de réalisation des centrales hydroélectriques de 3 à 5 ans, parce qu'on a réalisé que la majorité des projets hydroélectriques nécessitent une prolongation de délai. Et puis, on a également procédé à la création d'un comité technique au sein du ministère pour faciliter la prise de décision sur les projets d'énergie renouvelable, et puis la réduction des délais d'autorisation de 4 mois et demi à un délai de 30 jours, avec la possibilité de déposer les dossiers de demande d'autorisation par voie électronique, parce que dans l'ancienne loi, il y avait l'obligation de déposer le dossier physiquement au niveau du bureau central du ministère. Donc, la nouvelle réforme, il offre la possibilité aux développeurs de déposer leur dossier par voie électronique, ce que facilite la procédure, notamment aux investisseurs nationaux situés dans les régions, mais également internationaux.
En ce qui concerne la loi sur l'autoproduction, donc, en ce qui concerne la production décentralisée, un certain nombre de dispositions ont été introduites dans le nouveau cadre législatif. Je cite en particulier la possibilité pour les exploitants d'approvisionner un ou plusieurs consommateurs raccordés au réseau électrique national et ou d'approvisionner le GRD, disposition qui n'existait pas dans la loi 1309. La possibilité pour les GRD également d'acquérir 40% de l'énergie renouvelable produite au niveau de sa zone de compétence, la possibilité pour un exploitant de développer une ou plusieurs installations sous les régimes de déclaration sans contrainte de capacité cumulée. C'est une disposition qui est extrêmement importante, surtout pour la décarbonation des activités industrielles de petites et moyennes, des activités de petites et moyennes entreprises, parce qu'auparavant, on pouvait bénéficier du régime déclaratif avec un cumul maximum de 2 mégas. C'est-à-dire si un développeur bénéficie d'une première autorisation d'un méga, une deuxième des 0,99, donc il n'aura plus droit de bénéficier d'un régime de déclaration. La nouvelle loi, elle permet aux développeurs de bénéficier de temps de déclaration, c'est-à-dire sans limite de niveau de puissance. La possibilité pour l'exploitant de réaliser des installations de stockage et de bénéficier du service de stockage, donc ça encourage également la production décentralisée, la possibilité pour l'administration de recourir à des appels d'offres pour la réalisation d'installations de production d'électricité à partir d'énergie renouvelable, et puis le droit de disposer du certificat d'origine qui confirme que l'électricité qui a été produite et consommée est bien d'origine renouvelable. En ce qui concerne le régime d'autoproduction, donc avant la publication de la loi 82-21, c'est un régime qui a été cadré par la loi 16-08, qui a été amendé par la loi 54-14. Et l'ancien cadre, il permet uniquement l'autoproduction pour des puissances inférieures à 50 MW et sans droit, bien sûr, d'accès au réseau électrique. Et puis, l'autoproduction pour des puissances de production supérieures à 300 MW avec un droit d'accès au réseau, un régime d'autorisation quel que soit le projet, et puis il n'intègre pas des autorisations pour des personnes physiques, et l'excédent de production est vendu exclusivement à l'Office national de l'électricité. La nouvelle loi 82-21, elle permet l'autoproduction à toute personne physique ou morale de droit public ou privé. L'autoproduction est permise au niveau de tous les réseaux et pour toutes les puissances. Le seuil d'accès au réseau national a été réduit à 5 MW, et puis trois régimes ont été prévus, un régime déclaratif, un régime d'accord au niveau d'accord de raccordement au niveau du GRD, et puis le régime d'autorisation, et il prévoit également la vente d'au moins 20% comme excédent de production au niveau de tous les réseaux. Les régimes intégrés dans la loi dans le cadre de la loi d'autoproduction, c'est tout d'abord l'installation pour des installations non raccordées au réseau électrique national, c'est-à-dire des installations off-grid. On a recours uniquement à une simple déclaration auprès de l'administration, quelle que soit la puissance. Les installations raccordées au réseau basse tension avec un seuil différent de 11 kilowatts, la déclaration se fait au niveau du GRD concerné. Les installations raccordées au réseau basse moyenne tension, un seuil de déclaration qui est compris entre 11 kilowatts et 5 mégawatts, donc une simple demande de raccordement auprès du GRD concerné. Et pour les installations raccordées au réseau moyenne tension ou haute tension avec une puissance supérieure ou égale à 5 mégawatts, donc on a encore un dossier d'autorisation à déposer au niveau de l'administration.
Les projets de décret élaborés dans le cadre de ces lois sont comme suit. 4 projets de décret ont été élaborés pour la loi 82-21. Donc, le premier concerne les procédures d'application des différents régimes, la puissance nominale de l'installation d'autoproduction, la condition de révision du plafond de l'excédent, et puis les fonctionnalités des compteurs intelligents. Et pour la loi 49, 2 décrets ont été élaborés. Un décret qui rassemble toutes les procédures liées aux installations d'énergie renouvelable développées dans le cadre de la loi 49. Donc, c'est une procédure d'autorisation pour la réalisation, la modification, l'exploitation, mais également pour l'export de l'énergie. Et puis, les modalités d'accès au réseau électrique de distribution qui regroupent aussi bien le réseau moyenne tension que la basse tension. Et puis, on a élaboré également 2 décrets communs pour les 2 lois. C'est un décret qui porte sur les modalités de réalisation des installations de stockage et les modalités de fixation et d'application du seuil de l'écrêtement, et un dernier décret sur les modalités d'octroi des certificats d'origine. Les prochaines étapes concernant ces 2 décrets, on est aujourd'hui à une phase de collecte des commentaires des partenaires. Donc, on a reçu donc pas mal de commentaires de la part de nos partenaires institutionnels, mais aussi des fédérations professionnelles. Rien qu'aujourd'hui, on a reçu les commentaires de la Fédération de l'énergie sur l'ensemble des textes. Et puis, la phase prochaine, ça sera l'introduction des textes dans le circuit d'approbation au niveau du SGG. Il y aura par la suite une publication pour enquête publique au niveau du site du SGG, et puis l'approbation pour le Conseil de gouvernement, et après, ça sera la publication au bulletin officiel. Donc, tout à l'heure, Madame la Ministre, il avait souligné l'importance de ces textes pour la mise en œuvre d'un certain nombre de programmes initiatifs. C'est d'ailleurs ce qu'on reflète ce slide. Il y a un programme de décarbonation industrielle qui est très important, pour lequel on a une convention entre les différentes parties prenantes pour accélérer la décarbonation de notre industrie nationale. Un programme de dessalement d'eau de mer, mais également le PERG 2.0, la mobilité durable, le résidentiel, mais également l'éclairage public, pour lequel nous avons, il y a un intérêt de plus en plus important qui est manifesté par les collectivités territoriales pour optimiser leurs factures en termes d'éclairage public. Et merci pour votre aimable attention. Merci, c'est Ahmed. On a reçu pas mal de questions, en fait. Bien sûr, bon, ça a été... Surtout, c'est en fait ces lois et tout, quand est-ce qu'elles vont être appliquées, mais on va laisser enfin le débat jusqu'à la fin, comme on a dit, jusqu'à la fin. Maintenant que vous avez parlé de l'évolution du cadre réglementaire, on va voir avec Monsieur Ahmed Naqouch, pour de par son expérience dans le secteur privé, comment le secteur privé il perçoit cette évolution du cadre réglementaire au Maroc. Merci, c'est Alaoui. Donc, si vous permettez, j'aimerais d'abord remercier le ministère de nous avoir conviés à ce webinaire. Et en tant que Fédération de l'énergie, qui regroupe la plupart des opérateurs privés dans le secteur, je voudrais nous réjouir du discours de Madame la Ministre et de la révision de la stratégie 2009 qu'il vient d'annoncer, puisque on a compris qu'aujourd'hui, entre 2023 et 2030, il y aura une accélération des investissements, puisqu'on passe d'un rythme de 0,16 gigawatts par an à un rythme de 1 gigawatt par an, et qu'on passe à pratiquement à un niveau d'investissement de 4,6 milliards de dirhams par an. Et il a même parlé de 1 milliard de dollars par an entre 2023 et 2030. Donc tout ça, c'est de bon augure, si vous voulez, pour l'avenir des énergies renouvelables dans notre pays. Je ne vais pas revenir sur la présentation, sur les projets de texte. Monsieur Ahmed l'a très bien décrit. Et en tant que Fédération de l'énergie, nous avons envoyé nos observations. Mais je voudrais insister sur la nécessité d'aller vite. Moi, je rappelle quand même qu'en termes de cadre législatif d'électricité au Maroc,
entre 1963, date de création de l'ONE, et 2010, date de sortie de la loi 1309, le secteur est érigé par le Dahir de création de l'ONE. N'est-ce pas? Donc il y avait une stabilité du cadre réglementaire. Et toutes les modifications qui ont permis l'introduction de la production privée ont été faites par un amendement du Dahir. La loi 1309 a été la première loi qui a permis le développement des énergies renouvelables et qui a fait l'objet d'un texte de loi, n'est-ce pas? Cette loi, comme M. Ahmed l'a dit, elle a été publiée en 2010. Mais elle a fait l'objet d'une première révision en 2015. Il vient de faire l'objet d'une deuxième révision en 2023. On espère que ce sera la dernière parce qu'en fait, les opérateurs privés ont besoin de stabilité réglementaire, honnêtement. Ils ont besoin de stabilité réglementaire parce que ce sont des investissements longs. Le développement des projets, déjà, en soi, demande du temps. Et des fois, entre le lancement d'un projet et le changement de loi, il peut y avoir des surprises. Donc, nous saluons aussi, et ça, je tiens à le dire, l'accélération du processus de sortie des textes qui va permettre la reprise des investissements dans ce secteur. La deuxième chose... Et M. Ahmed l'a dit, Madame la ministre l'a dit aussi, la transparence et l'équité entre les opérateurs privés et l'opérateur public, qui est l'ONE. L'ONE, en tant qu'opérateur public, comme vous le savez tous, il a la lourde responsabilité de garantir la continuité de service du pays et surtout de veiller à l'équilibre économique du secteur. Et donc, nous devons tous veiller à ce que l'ONE, en tant qu'opérateur central du secteur, je dirais, soit en bonne situation et en bonne santé. Mais d'un autre côté, les opérateurs privés, quand ils investissent, ils doivent, chacun doit supporter ce qui lui revient. Et aujourd'hui, quand on voit toutes les charges que supportent les projets privés, notamment le cadre de la 1309 ou maintenant 49, le coût transport, le coût système, l'investissement au renforcement du réseau. Tout ça, c'est bien, c'est nécessaire. On n'est pas qu'il faut que ces coûts-là soient supportés par les projets, mais on attend de l'ANRE, qui est le régulateur du secteur, de faire supporter à chacun ce qui lui revient. Donc, c'est comme ça que nous voyons, nous, la transparence. Donc là aussi, il y a eu la loi de création de l'ANRE. Nous sommes ravis que notre pays ait aujourd'hui une agence nationale de régulation du secteur et nous attendons que l'agence publie, si vous voulez, ses coûts de manière transparente. Et je suis persuadé qu'avec avec l'ensemble des textes qui viennent d'être présentés par Suhbin et avec le travail de l'ANRE et en espérant que tout ça va se faire dans un délai raisonnable. Nous espérons, sur Ahmed, qu'on puisse sortir les décrets avant la fin de l'année. Moi, je suis persuadé que l'objectif que Madame la ministre a fixé tout à l'heure d'accélérer le développement des renouvelables et d'atteindre des objectifs en 2030 sera atteint. Merci. Merci. Maintenant, on va essayer de... Je ne sais pas, est-ce qu'on est... Madame Lucia Fuseli, elle essaie de se connecter depuis tout à l'heure parce qu'il est en avion, mais il n'arrive pas à se connecter. On va passer à M. Abdullah Abouali, et puis en attendant que Madame Fuseli se connecte. Pouvez-vous projeter la présentation de M. Abouali?
Abdullah, do you hear us? Do you get to hear us? Désolé, on a encore un problème avec le réseau de M. Abou Ali qui est en train de se joindre depuis l'Arabie Saoudite. Je crois qu'on a un problème avant. Alors, on va passer directement au deuxième panel. Le deuxième panel, c'est le sujet du deuxième panel, c'est le renforcement du réseau électrique, les services systèmes et la transparence du coût. Ce panel approfondira les défis techniques et infrastructurels que présente l'évolution du secteur énergétique. Nous avons la chance d'avoir avec nous un nouveau groupe d'experts qui nous guideront à travers cette discussion. On commence avec M. Abdelraouf Benabou, le directeur d'électricité au ministère de la Transition énergétique et du Développement durable. Généraux, messieurs les directeurs, chères assistants, messieurs les participants à distance. Donc aujourd'hui, on va essayer de discuter un sujet de grande importance, qui est le développement du réseau de national de transport en tant que levier important pour l'accélération de la transition énergétique. Donc si vous pouvez me... Alors, M. Benabou, à travers sa présentation, il va essayer de répondre aux différentes questions. D'abord, c'est les principaux obstacles rencontrés dans le renforcement du réseau. Bon, je laisse M. Benabou, il va parler encore plus de sa présentation. Allez-y. Donc, ma présentation va s'articuler autour de trois principaux axes. Le premier axe, c'est d'avoir l'activité du transport en matière des infrastructures, des réalisations, des prévisions. Et le deuxième axe, c'est les défis et contraintes posées par l'accélération de la transition énergétique au niveau du transport et les mesures prises pour lever ces différentes contraintes en matière de la réglementation, des investissements, de la flexibilité et de la transparence comme a été signalé auparavant. Donc, la première question qui se pose, c'est quoi le transport? Alors, comme vous le savez, le transport, c'est une activité stratégique du système électrique qui permet le transport et l'évacuation de l'énergie produite des points de production vers les points de consommation et il assure aussi l'approvisionnement des différentes régions du pays dans des meilleures conditions de sécurité et d'efficacité avec la quantité requise et avec la qualité requise. Maintenant, qui s'occupe du transport? Comme vous le savez, c'est un monopole de l'Office national d'électricité et de l'eau potable, conformément à son arrêt de création, qui est de 1963, tel qu'il a été amendé et complété. Donc, c'est l'Office national d'électricité qui fait l'exploitation, l'entretien, la maintenance et le développement de ce réseau en attendant la création d'un gestionnaire de réseau de transport qui va se créer conformément à la loi 48-15 relative à la régulation et à la création de l'ANRE. Maintenant, la question qui se pose à ce niveau, c'est à partir de quelle tension est considéré le réseau du transport? Donc, on peut dire que selon le texte de 1963, donc ce texte, il fixe à ce que le texte de 1963, c'est un texte qui donne un peu les normes
des passages des lignes à travers les différentes voiries, que ce soit les télécommunications, les chemins de fer, les autoroutes, etc. Donc, il précise à ce que le transport commence par 57 kV. Par contre, le grid code, il le précise à partir de 60 kV. Donc, je dois attendre pour passer au troisième slide. Alors, je ne sais pas que la présentation, c'est... Alors, maintenant, quelles sont les réalisations entre 2009 et 2022 concernant le transport? Donc, comme vous le savez, juste après le lancement de la stratégie nationale de 2009, un certain nombre d'investissements qui ont été réalisés, on compte ici 13,26 milliards de dirhams entre 2009 et 2022, soit 1 milliard de dirhams d'investissement par an, versus 0,6 milliards auparavant, dans les décennies auparavant. Nous avons réalisé 9088 km de lignes haute tension, c'est-à-dire avec une augmentation de 46%. La longueur des lignes actuellement est de 28 663 km et le nombre de postes de transformation atteint 2922 postes. Les différents transformateurs qui existent à l'intérieur de ces postes sont de l'ordre de 558. Et la capacité totale de ces postes, c'est 28 600 MVA. Et je précise que ces postes sont seulement de l'Office national de l'électricité. Donc, il y en a d'autres postes et lignes pour la moyenne tension au niveau des régies et des concessionnaires. Alors, le deuxième axe, c'est quels sont les défis et contraintes posées par l'accélération de la transition énergétique au niveau du transport. Alors, le premier défi, c'est la limitation de la capacité d'accueil devant la cadence d'accélération des énergies renouvelables. Comme vous le savez, nous avons aussi un potentiel important des énergies renouvelables, mais la capacité est un peu limitée du transport pour faire évacuer cette énergie vers les centres et les pôles de consommation qui se trouvent au centre et au nord. Il y a aussi le deuxième défi, c'est le manque de flexibilité. Comme vous le savez, le réseau, pour répondre à ces défis, il faut avoir du stockage, il faut avoir de l'hydraulique, il faut avoir du gaz, qui est un combustible de la transition, les interconnexions aussi et la digitalisation, ce sont des choses qui ont été signalées au niveau du discours de Madame la ministre. L'investissement aussi, il est un peu lourd, donc on peut, à titre d'indicatif, un kilomètre de 400 kV est autour de 3,5 jusqu'à 4,5 millions de dirhams. Donc c'est un peu capitalistique, donc ça c'est un défi qui est important. Le quatrième défi, c'est avoir une compétitivité des prix et la transparence. C'est une chose intrinsèque parce que le tarif d'utilisation de réseau donne une visibilité importante aux investisseurs privés dans ce domaine. Il y a aussi le cinquième défi, c'est l'anticipation de l'intégration d'une nouvelle filière de production et de consommation telle que le lancement des chantiers de dessalement, de l'hydrogène, de la mobilité électrique, de la décarbonation de l'économie. Alors, tous ces chantiers nécessitent un mouvement important d'énergie des points de production jusqu'au point de consommation. Donc, le transport sera sollicité dans ce sens. Et le dernier, c'est avoir une performance importante pour la diminution des pertes, pour ne pas avoir un coût de transport important. Et il faut aussi travailler sur le temps de coupure parce qu'actuellement, des industriels qui ne se permettent pas d'avoir des coupures de quelques secondes. Alors maintenant, quelles sont les mesures? Donc, je dois revenir un peu en arrière. Donc, c'est un peu long. Ne réagis pas rapidement. Alors, quelles sont les mesures prises pour lever ces défis? Alors, la première mesure, c'est le renforcement des investissements. Alors, nous comptons faire un investissement de 23,4 milliards de dirhams sur la période 2023-2027 à raison de 4,68 milliards par an versus 1 milliard de dirhams qui se faisait au niveau de la période 2009-2022.
Le deuxième levier, c'est la démonopolisation du transport. C'est un chantier en cours de réflexion. Donc, ce chantier pour démonopoliser le transport de l'ONE et donner la possibilité aux privés de construire des lignes électriques. Donc, deux options sont déjà en discussion. La première, c'est donner la possibilité à l'ONE de lancer des appels d'offres pour avoir des constructeurs, des conceptionnaires et qui font l'exploitation, la maintenance de la ligne avec des concessions avec l'Office national de l'électricité. Et le deuxième cas, c'est donner aussi la possibilité aux grands chantiers tels que les dessalements, l'hydrogène, etc., c'est-à-dire les grands demandeurs de mouvement d'énergie qui peuvent investir au niveau des transports d'une manière privée. Et si vous avez des suggestions à intégrer, ils sont les bienvenus parce que c'est un chantier qui est nouveau et ouvert à la discussion. Alors, monsieur l'animateur, je ne vais pas compter ce temps de... Merci, monsieur le président. Merci pour le... Alors, le troisième levier, c'est le renforcement de la flexibilité. Comme nous l'avons dit, pour que ce réseau de transport permette de répondre à ces défis de l'accélération, il lui faut des turbines à gaz qui fonctionnent au gaz. Il lui faut des cycles combinés, des conversions des turbines, des moyens de flexibilité tels que les STEP, le stockage, sous forme de batterie, le CSP, et le renforcement aussi des interconnexions qui permettent, disons, le secours mutuel rapide des différents réseaux. Et tous ces paramètres ont été pris en compte au niveau du plan d'équipement de 2023-2027. Alors, le troisième levier, c'est avoir un dispatching des énergies renouvelables qui est en cours pour donner une visibilité et avoir une maîtrise des énergies renouvelables pour avoir plus de flexibilité. Et le cinquième, levier, c'est l'adoption de solutions technologiques nouvelles telles que, par exemple, les lignes à courant continu HVDC. Alors, un mot sur ces lignes HVDC. C'est une technologie pour la première fois au Maroc. Il permet d'évacuer la quantité importante des énergies du sud vers le centre. Il permet aussi l'intégration des énergies renouvelables, surtout au sud. Alors, la consistance de ce projet, c'est une liaison d'une longueur environ de 1600 km. La capacité est de 3 gigawatts et le coût du projet est estimé à 18 milliards. L'état d'avancement en cours, on est en état d'initiation de la procédure d'amendement de la législation pour démonopoliser le transport et donner la possibilité aux privés de construire cette ligne. Et le deuxième point, c'est l'appel de la manifestation d'intérêt et en cours de lancement. Alors, le sixième levier, c'est la transparence, comme a été signalé par Sina Rouge. La transparence entre l'utilisateur du réseau et le gestionnaire de réseau de transport. C'est pour cela qu'on a donné cette mission à l'ANRE, telle que la détermination de la capacité d'accueil du système électrique, les tarifs d'utilisation du réseau et les tarifs des services système, les tarifs des services de distribution et aussi les tarifs de vente de l'excédent. Donc, voilà, je m'arrête là et je vous remercie. Merci beaucoup, M. Nabo, pour ces informations très enrichissantes. Maintenant, on va passer à Mme Nora Jiri, chef du département des analyses et du contrôle de la qualité de service au sein de l'Agence nationale de la régulation de l'énergie. Mesdames et messieurs, bonjour. Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour cette invitation. Je tiens également à vous présenter nos excuses au nom de notre président, M. Abdelatif Berdache, qui aurait aimé être parmi nous aujourd'hui, mais il a actuellement des engagements
et d'autres obligations importantes qui a été préalablement fixées et qu'ils ne pouvaient pas reporter à la dernière minute. En effet, en ce moment, il est en réunion avec une délégation de haut niveau du ministère de la Sécurité énergétique et du Net Zero du Royaume-Uni, représentée par le chef de politique diplomatique de sécurité et de réglementation et le directeur de l'électricité renouvelable pour traiter, entre autres, parmi nos sujets prioritaires d'aujourd'hui, c'est le rôle de la régulation et comment accélérer la transition. Alors, pour, avant d'intervenir par rapport au rôle de régulateur pour accélérer la transition, je crois qu'il est important de parler de l'évolution du secteur de l'électricité et de rappeler ces évolutions. Auparavant, le secteur de l'électricité au Maroc se caractérisait par un monopole naturel détenu par une seule entreprise publique verticalement intégrée, c'est l'ONE, qui gérait la totalité des activités de la production, de transport et une grande partie de la distribution. Cependant, notamment après l'adoption de la stratégie énergétique nationale, le secteur de l'électricité a connu une transformation considérable. Le marché de la production de l'électricité a été partiellement libéralisé, appelant la participation d'investisseurs privés grâce à la mise en œuvre de la loi 1309. Cette législation a permis aux investisseurs privés de produire de l'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable et leur a également accordé le droit de transporter cette électricité produite aux utilisateurs finaux, moyennant le recours aux services de transport et de distribution qui sont, comme on le sait tous, des monopoles naturels. Alors, avec une production partiellement ouverte à la concurrence et des services de transport et de distribution de nature monopole, il devient essentiel de garantir la transparence et le traitement équitable et non discriminatoire de tous les utilisateurs de ces services monopoles. C'est dans ces circonstances que le rôle d'un régulateur fort et indépendant prend tout son sens et c'est la raison pour laquelle l'ANRE a été créée en vertu de la loi 48-15 qui a été publiée en 2016. Même si la loi 48-15 a été publiée en 2016, l'ANRE n'est opérationnelle qu'à partir du 21 avril 2021, 6 mois à compter de la date d'entrée en fonction effective de ces organes qui sont le président, le conseil et le comité de règlement de différends. C'est conformément aux dispositions de l'article 59 de la loi 48-15. Alors, depuis sa mise en œuvre et dans le cadre de l'application de ces dispositions, l'ANRE a concrétisé et a lancé et avancé dans plusieurs chantiers visant à améliorer le climat d'investissement tout en offrant davantage de transparence et d'équité aux investisseurs privés dans le secteur de l'électricité. Alors, elle est importante de rappeler les projets qu'ils étaient réalisés. Tout d'abord, c'est le code du réseau électrique national de transport qui a été approuvé, publié par l'autorité et entré en vigueur en janvier 2022. Ce code permet de fixer de manière non discriminatoire et transparente les prescriptions techniques de raccordement et d'accès au réseau national de transport de l'électricité, y compris les interconnexions, les règles concernant la planification et l'exploitation du réseau et les modalités d'échange de données et de collaboration entre les gestionnaires de réseaux de transport et tous les utilisateurs de réseau. L'autorité est actuellement en cours de travail sur l'amendement et de ce grid code, notamment pour prendre en considération les nouvelles dispositions de la loi 49 et la loi 82-21. Un des projets prioritaires qu'il a été déjà lancé par l'autorité, c'est le projet de la séparation comptable qui devrait normalement être élaboré par le GRT et approuvé par l'autorité. Alors, l'ANRE s'est dotée par un service externe, a mobilisé un service externe pour accompagner le GRT dans ce projet de séparation comptable. C'est bon? OK. OK. Pour accompagner le GRT dans toutes les phases de ce projet important de la séparation comptable. Parlons de la séparation,
Alors, depuis janvier 2021, l'ANRE a lancé un processus d'échange et de débat qui lui a permis d'étayer sa méthodologie tarifaire à la suite d'une série de réunions avec le GRT, le ministère de la Transition énergétique, le ministère d'Intérieur, le ministère de l'Économie et de Finances et le secteur privé via la Fédération de l'énergie. Ces réunions lui ont permis de mieux établir les grands principes de la méthodologie tarifaire, d'avoir un large retour d'expérience sur les tarifs existants et de prendre en compte, dans toute la mesure de possible, les préoccupations et observations de ces différents acteurs. La méthodologie est publiée dans le site web de l'autorité en décembre 2021. Et puisque normalement, dans un monde idéal, la séparation comptable, c'est préalable à la séparation comptable et vu l'urgence et vu les intérêts du secteur privé, l'autorité, en attendant d'aboutissement du projet qui est en cours de la séparation comptable, l'autorité s'appuiera sur les données comptables de l'activité de transport pour la fixation du tarif, qui est une activité qui est en cours et elle sera publiée prochainement. Alors, l'ANRE également a comme mission d'approuver le programme pluriannuel d'investissement. Pour la réalisation de cette mission, l'ANRE mobilise également les instruments réglementaires à sa disposition pour garantir la sécurité, la fiabilité et l'efficacité du réseau électrique en veillant à ce que ce dernier soit doté de l'infrastructure et la capacité de transport nécessaire pour accompagner l'évolution du secteur électrique et pour s'adapter aux nouvelles technologies et futures évolutions, comme il vient d'être présenté avec M. Benabou, les nouveaux défis, c'est la mobilité électrique, les énergies renouvelables qui sont de nature intermittente, dispersées, et ainsi que l'hydrogène vert. Tout ça, ce sont des points sur lesquels l'autorité garde un œil de très près pour assurer qu'ils sont pris en considération dans toutes ces missions d'approbation d'approbation de programmes pluriannuels d'investissement et de tarifs. Il est très important de fixer que c'est une équation qui est complexe, pas compliquée, mais complexe, qu'il faut toujours garder en œil, qu'on garde toujours en œil. C'est vraiment les investissements dans le réseau qui doivent prendre en considération toutes les évolutions dans le secteur, refléter ces investissements dans un tarif qui va être payé par tous les utilisateurs de réseau, tout en assurant et en veillant à garder à la sécurité d'approvisionnement et à la qualité du réseau électrique de transport et de distribution. Maintenant, après la publication de la loi 82-21 et la loi 40-19, les nouvelles dispositions de la loi 40-19, le chantier de la distribution est aussi, et maintenant c'est une priorité pour l'autorité et un chantier qui a été lancé pour prendre en considération toutes les dispositions qui a été dans ces lois-là. Je tiens à ajouter également que toutes les nouvelles missions qu'ils sont attribués à l'autorité sont dans notre agenda, notamment l'approbation de la capacité d'accueil que nous avons déjà commencé en tenant plusieurs réunions de cadrage et de travail avec les gestionnaires des réseaux de distribution et de transport pour pouvoir la publier comme indiqué par la loi d'ici janvier 2024. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mme Hajeri, pour ces informations concernant le rôle important de l'ANRE sur le développement des énergies renouvelables du Maroc. Maintenant, on va passer à M. Benoît Essol, qui est le chef du département interconnexion et affaires européennes à la Commission de régulation de l'énergie. Il va nous parler du rôle des interconnexions et des collaborations internationales, en particulier avec l'Europe, dans le renforcement du réseau électrique du Maroc. Aussi les opportunités et puis les défis concernant la transparence des coûts dans les projets d'interconnexion énergétique internationale. Monsieur Benoît. Merci beaucoup. Je suis désolé de ne pas être parmi vous aujourd'hui, mais bon, j'ai l'occasion de venir souvent à Rabat et je suis très honoré d'avoir été sollicité pour apporter un point de vue à ces débats auxquels j'ai eu la chance de contribuer un petit peu il y a quelques années, dans le cadre d'un,
partenariat entre les autorités françaises et les autorités marocaines. Aujourd'hui, je vais essayer de compléter un petit peu le panorama dont vous avez disposé. Alors, il y a beaucoup de questions qui sont très techniques et qui relèvent vraiment du secteur marocain. Mon idée est de vous apporter quelques éléments de l'expérience européenne tout en ayant bien conscience des spécificités très fortes du cas européen et pour voir un peu comment la manière dont on conçoit les interconnexions, l'intégration des systèmes nationaux peut apporter des enseignements au marché, au Maroc en général. Alors tout d'abord, il y a une première chose qui me semble importante et qui est bien ressortie des échanges et notamment des présentations faites par M. Benabou et par l'ANRE sur les problématiques de planification, la manière de considérer le réseau dans le fonctionnement du système. Je pense que le Maroc, depuis longtemps, a une vision relativement intégrée du sujet et c'est là un atout important. Le processus de détermination des capacités d'accueil, par exemple, et de toutes les problématiques de zonage sont quelque chose qui est, à mon sens, une clé du succès pour arriver à un développement efficace à la fois du réseau des capacités de production. Disons que le système électrique dans son ensemble représente un tout. Et je dirais que c'est un des éléments sur lesquels on travaille beaucoup en Europe, c'est d'arriver à combiner différents paramètres de régulation pour assurer d'un côté une gouvernance qui va permettre une pluralité d'acteurs et en même temps d'apporter la garantie qui est celle typique des monopoles, hein, qui est d'avoir de la sécurité d'approvisionnement, une stabilité du système. Et c'est là qu'on rentre dans les problématiques de régulation, dans les problématiques de gouvernance, qui sont un peu, je dirais, les liens entre les différentes composantes du système électrique. Et ces liens, cette gouvernance doit être adaptée en fonction des objectifs. Et ça m'amène à un point qui est important et qui va m'amener à la question des interconnexions, qui est que le système avec pluralité d'utilisateurs, quelque part, revient à mettre en place une organisation qui va organiser le rôle des infrastructures comme un prestataire de services à d'autres acteurs qui vont pouvoir ensuite conclure des contrats, développer des activités économiques. Et je dirais que si on regarde les principes de développement des renouvelables, eh bien, l'une des responsabilités du cadre de régulation, c'est bien de rendre les projets bancables, de permettre à l'initiative de se développer, ce qui renvoie un peu à des commentaires faits par le représentant de la Fédération de l'énergie en début de ce séminaire. Alors maintenant, si on en arrive aux interconnexions. Alors, les interconnexions sont un des éléments extrêmement importants du fonctionnement du système européen et c'est, je dirais, à la fois un moyen de garantir la sécurité du système et en même temps, dans ce processus de transition énergétique, un levier pour le développement des énergies renouvelables. Alors là, la doctrine qui a été mise en place en Europe a été, et là c'est vraiment quelque chose de spécifique à l'Union européenne, d'automatiser par les règles et par le fonctionnement du marché, le fonctionnement, les flux sur les interconnexions. Alors dans une perspective marocaine, on est évidemment assez loin de ce type d'organisation, et il s'agit de penser les interconnexions par rapport à la logique de fonctionnement du système marocain et d'essayer d'avoir autant que possible un certain nombre de points de convergence et de cohérence avec les systèmes voisins et en particulier le système espagnol et plus généralement le système européen. Alors pourquoi l'intérêt de ces interconnexions, notamment avec l'Espagne, et quelle peut en être la vision dans une perspective marocaine ? Alors le premier sujet, qui est un sujet qui est très classique et que vous connaissez beaucoup mieux que moi, qui est celui de la sécurité d'approvisionnement du Maroc, donc historiquement, les interconnexions avec l'Espagne ont joué un rôle important, dont la nature a un peu changé, mais on voit bien qu'en matière de stabilité du système, en matière de secours, et bien d'avoir des grosses interconnexions avec un système de grande taille comme le système européen apporte un certain confort et une valeur ajoutée claire. Et là, je dirais que dans cette perspective, on a deux dimensions. On a la dimension de la gestion au quotidien et puis on a également la dimension de la prévision à long terme, de la planification de l'évolution de ces interconnexions. Alors, je dirais sur ce premier volet, il est clair que l'opérateur réseau joue un rôle clé et l'implication de l'ONE, par exemple, mais je renvoie aussi à l'expérience européenne sur ce sujet, est quelque chose de très important avec évidemment la contribution du régulateur. Alors, c'est important parce qu'il s'agit pour l'opérateur de réseau eh bien, de concevoir des trajectoires d'investissement
conjointement avec son homologue transporteur, et ensuite sur la sécurité d'approvisionnement quotidien, les achats instantanés, la gestion de l'équilibrage passent de fait par l'opérateur système. Alors, juste un petit aparté, d'ailleurs, sur le système de régulation, il est clair que la création de l'ANRE est un atout dans le sens où l'une des grandes évolutions de ces dernières années, avec la complexification des règles techniques et des normes, et avec les régulateurs, de disposer d'administrations publiques qui vont être des pôles d'expertise spécifiques sur des points de détail, de fonctionnement des systèmes et de l'articulation entre le système technique et le système contractuel. J'en viens à un deuxième volet des interconnexions, qui est la contribution des ventes d'électricité, notamment à l'Europe, et les opportunités de marché qui ont été soulignées d'ailleurs par Madame la Ministre dans son propos d'introduction, qui est qu'on voit bien, et c'est aussi une perspective européenne, que l'une des logiques de l'intégration des systèmes est d'essayer d'exploiter au mieux, selon les atouts géographiques, le développement des énergies renouvelables, des productions renouvelables qui vont se substituer à des productions polluantes, pris dans une perspective relativement générale. On voit bien ici que le Maroc a des atouts extrêmement importants et ça fait partie de la stratégie marocaine. Je dirais que du point de vue de la réglementation, eh bien, l'enjeu aujourd'hui, c'est d'arriver à constituer des relations, par exemple avec l'Union européenne, pour que les systèmes de certificats de garantie d'origine et les possibilités de vente d'électricité verte dans l'Union européenne soient un des leviers qui permettent aussi de soutenir le secteur des énergies renouvelables. Voilà. Donc, pour vous dire, cette expérience européenne, donc elle porte sur ces différents volets, comme je vous le disais, dans une perspective assez particulière. Mais si j'en viens au rôle du régulateur plus précisément, eh bien, la question de la transparence est évidemment un élément crucial, puisque les décisions d'investissement comme les tarifs d'utilisation doivent renvoyer à une recherche d'efficacité. Cette dimension, évidemment, elle porte aussi sur les interconnexions. Dans l'Union européenne, eh bien, ça donne lieu à des analyses coûts-bénéfices et tout un processus d'évaluation des projets, mais qui est un processus, je dirais, qui a tendance à se complexifier avec la transition énergétique, puisqu'on est dans un contexte aujourd'hui où la visibilité qu'on peut avoir des dynamiques à long terme est peut-être un peu moins stable que ce qu'elle était par le passé. Je vais m'arrêter là. Je dirais qu'en conclusion, il est clair que les interconnexions sont un facilitateur de développement des énergies renouvelables et que dans ce contexte, eh bien, le renforcement des liens avec l'Europe a une valeur ajoutée. Évidemment, si je parle de la Commission de régulation de l'énergie, on est tout à fait disposé aussi à contribuer à ces réflexions aussi à l'échelle marocaine pour vous faire part, pour vous apporter aussi notre expérience du fonctionnement du marché européen. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Esnault, pour cette expérience internationale. En fait, on est vraiment, on est à 3h45 maintenant, on a encore 15 minutes, mais j'aimerais bien vraiment ajouter M. Abdullah Abou Ali qui essaie depuis tout à l'heure en fait, de se connecter et puis vient de se connecter en fait. Si on peut passer à la présentation de M. Abou Ali. Hello, can you hear me? Yes, we can, Abou Ali. Thank you very much for your persistence, actually. No worries. I really apologize for the technical issues that delayed my talk. If you could please share the screen of the PowerPoint, I'd really appreciate it. Yeah, we can. Thank you so much. So, hello, everyone. Thank you for inviting me to speak at this webinar. This is Abdullah Abou Ali. I'm an Associate Program Officer for the MENA region at the International Renewable Energy Agency, which is based here in Abu Dhabi, United Arab Emirates. Can you go to the next slide, please? Yes, okay. So as you can see in this slide, hydropower still consists more than half of the volume installed in the MENA region, although there has not been any growth in the past 10 years.
Most of the growth has been focused on solar, mainly driven by large projects in the United Arab Emirates, Egypt, and Jordan. Morocco also hosts some large projects, including the famous Noor over Zizat complex. And I'm sorry if I didn't pronounce it in the right way, but that's how I could. Next is wind installed capacity is focused in Egypt, Morocco, and Jordan. And if you would like to take a deep dive into the numbers, you can just go to irena.org and access both publications that I have placed on the right side of the slide, which are the Renewable Energy Statistics 2023 and the Renewable Capacity Statistics 2023. Next slide, please. Although renewable energy investment in the region is on an upward trend, the region saw its highest ever investment in 2019 of around $7.5 billion, as you can see in the figure in front of you. Such peaks are often driven by single large projects that reach financial close in a particular year. For example, in 2017, $3.9 million was invested in Al Maktoum 5 tower and probably through stage plant in United Arab Emirates, Dubai City to be more specific. In 2021-2022, almost $5 billion per year was invested in renewables across the Middle East and North Africa region, compared to $1.3 billion in 2010. An almost fourfold increase over the last 13 years. The top two destinations for investments in 2021-2022 were Egypt, Saudi Arabia, and the United Arab Emirates, that continue to pursue ambitious energy transition with around $2 billion, $1.9 billion, and $1.7 billion respectively. Investments in the regions have mainly been in solar PV, which make up 68% of the investment in 2021-2022. Although large investments in solar thermal and wind energy have also been observed in previous years. It is worth mentioning that investments in the region went beyond solar and wind in 2021, as we saw a $1.2 billion investment in the United Arab Emirates for a biomass and waste plant with a capacity of 200 megawatts. When it comes to hydrogen investments, hydrogen investments of at least $25 billion are in the pipeline. Many projects, for example, NEOM Green Hydrogen Project in Saudi Arabia, have yet to reach final close, but are expected to do so. Next slide, please. Okay, when it comes to policies, these investments were largely driven by government initiatives and policies. What you see here is IRENA's comprehensive framework for policies needed for the energy transition. I'll just give a few examples just to keep within my time slot. First, as part of enabling policies, countries in the region have set renewable energy targets, at times as part of their climate commitments. All of the NDCs and INDCs in the North Africa and Middle East region mention renewable energy as a key part of their mitigation strategy, and most of the parties to the Paris Agreement in MENA region have indicated quantitative renewable energy targets with a focus on the power sector. Among the parties that have focused their targets on the power sector, two have presented fixed targets in the form of installed capacity, while the others has presented them as a share of electricity mix, or a combination of both capacity and share, indicating their level of ambition with regards to phasing out non-renewable power to achieve climate goals. Seven parties have presented targets with renewable share of less than 24% in their power mix, and six have presented shares between 25% and 60%.
To achieve these targets, countries have mostly relied on competitive procurement, or as known as auctions, as the main deployment policy. Auctions in the region are mostly known for their low record prices, such as Al Maktoum Solar Park in Dubai, or the auctions done recently in Saudi Arabia, potential to attract foreign investment and create local industries and achieving economic benefits. And here I'm gonna mention again the famous Noor Our Zizat complex in Morocco, and also the latest wind projects in Egypt. And of course, designed to support system integration, for example, through solar PV and CSP hybrid auctions, which took place both in Dubai and Morocco. Also, well adopted in the region is direct investment from the governments into renewable energy assets, especially at early stages of the sector. For example, the Shams CSP project in Abu Dhabi, or the 10 megawatt solar park here in Masdar City, where I'm currently located. Next slide, please. A wider picture is needed indeed. Energy, the economy, society, the environment, as part of a holistic system, both in terms of understanding the impacts as well as the appropriate policy responses. In our modeling as IRENA, we don't only look at the energy transition pathway, but also specifically at socioeconomic footprint of the transition. As the World Energy Transition Outlook 2023, Volume 2, which contains the socioeconomic analysis, is not out yet, I'm hereby citing the 2022 version. And as you can see in the slide at the bottom, the Volume 2 of the WETO 2023 will be released soon. Anyways, as a generic version in terms of GDP gains, the 1.5 scenario policy baskets improve global GDP relative to BES scenario in MENA region. Also, the number of people working in the global energy sector would rise significantly under the 1.5 degrees Celsius scenario. Job losses in conventional energy jobs, for example, fossil fuels and nuclear, are more than offset by gains in renewables and other energy transition related technology, for example, energy efficiency, power grids and flexibility, and green hydrogen. Welfare shows much greater percentage gains than GDP and jobs by mid-century, with less inequality gaps and less emissions, making the energy transition a vehicle for far more progress than purely in the sphere of GDP. A more detailed version at the MENA region level, for example, among in conventional energy jobs as the fossil fuels and the nuclear sector would be offset by gains in renewables and the energy transition related technologies, which by 2050 are estimated to reach 9.7 million under the 1.5 degrees Celsius scenario. Also, the MENA region will benefit more energy transition jobs from this transition, plus 6.5 in 2023 and plus 8.6 million in 2050 respectively. Last but not least, more than 25-fold increase by 2050 from today's value in renewable energy employment, over 5.2 billion by 2050 under the 1.5 degrees Celsius scenario. Hydrogen investment could reach in the MENA region itself 0.34 million by 2050. Thank you so much for listening for this presentation. And as part of being in the MENA region office, I look forward to work with Morocco on their energy transition, and IRENA is willing happily to support Morocco in this matter in any way. Thank you so much for hosting me. Thank you very much, Abdullah. And I will apologize again for the earlier problems with your network. Thank you. Maintenant, on va passer à Monsieur Omar Khadir, directeur business développement de INA Innovex OCP, qui va nous parler que comment l'OCP, comment créer Innovex,
s'adapte au défi de la montée en puissance des énergies renouvelables dans le contexte du réseau électrique marocain. Merci. Donc, peut-être avant de commencer, je vais te donner une présentation de Innovex, qui est une entité assez jeune, si on met en perspective par rapport à l'audience. Donc, Innovex, c'est un véhicule qui a été conçu par UM6P et l'OCP pour porter ses ambitions de développement dans le renouvelable et dans d'autres secteurs stratégiques. Donc, notre mission aujourd'hui, c'est de mettre en œuvre les objectifs stratégiques du groupe, notamment dans tout ce qui est énergie. Et l'énergie aujourd'hui est au centre du programme d'investissement du groupe OCP. Si on regarde donc, le plan d'investissement vert qui a été présenté devant Sa Majesté il y a pratiquement un an, plus que les deux tiers des 130 milliards de dirhams vont être dédiés à la production de kilowattheures verts et de molécules vertes. Donc ce n'est pas juste un luxe, mais c'est plutôt un impératif parce qu'on doit donc nous donner l'assurance donc de la stabilité des prix et des sous-jacents sur le long terme, mais aussi garantir l'accès sur le long terme au marché à l'export. Donc aujourd'hui, sur le programme qui a été annoncé, nous avons déjà donc commencé l'exécution. Donc aujourd'hui, on a une première partie qui est autorisée et pour son exécution, donc nous sommes en travaillant en proche collaboration avec l'ONE pour pouvoir matérialiser donc ces ambitions pour avoir des centrales opérationnelles très rapidement dans le court terme. Et il faut qu'on change de paradigme. Donc, jusque-là, le renouvelable a été considéré, donc l'intégration du renouvelable dans le réseau a été considérée comme une contrainte. Aujourd'hui, je pense qu'il faut dépasser donc, cette notion de capacité d'accueil. Il faut profiter donc du déploiement des capacités renouvelables pour avoir une intégration intelligente, dans le sens où aujourd'hui, technologiquement, il y a des solutions qu'on peut mettre en œuvre pour donner plus de stabilité, plus de résilience au réseau national, notamment à travers les solutions de stockage. Et donc, il faut toujours garder le souci de l'équation économique de la compétitivité, parce que nous sommes sur des industries et des activités qui sont très énergivores, et donc notre coût final est déterminé par le coût notamment de l'énergie. C'est pourquoi donc, nous sommes dans un débat et des discussions continuelles avec l'ONE pour s'assurer de la proportionnalité donc des investissements qui sont demandés et des redevances pour le transport, pour les services systèmes, pour les pertes qui sont imputées sur la production, pour assurer la proportionnalité donc, de ces redevances par rapport aux services effectivement rendus, voire dans quelles mesures, en déployant donc, nos projets de capacité ENR, contribuer donc, à la robustesse et la résilience du réseau national. Merci. On a terminé en fait les. Alors, si vous permettez, M. Hertoud qui attend son intervention. M. Hertoud, Lori. Ah, d'accord, ça va arriver là. Au niveau du programme, il est le deuxième à intervenir. Je ne sais pas pourquoi ça a été sauté. Non, parce qu'il n'était pas en fait en ligne. Parce que, bon, on a essayé, mais il n'était pas en ligne. On a vu avec les services techniques, mais il n'était pas en ligne. Je crois, en attendant, est-ce qu'on peut avoir deux petits mots de M. Lharti, président de la FENELEC, et M. Khalid Samawi, pour les attentes de leurs membres, en fait, par rapport à la réglementation? Merci beaucoup. C'était pas du tout prévu. C'est Monsieur le Secrétaire général qui souhaitait qu'on dise un petit mot. Merci beaucoup pour d'avoir impliqué la FENELEC, Madame la Ministre, Monsieur le Président Nakouch, chers amis, chères audiences. Alors nous sommes à l'accoutumée très ravis d'écouter Madame la Ministre, parce qu'elle a toujours des choses extrêmement intéressantes à nous annoncer. Je ne vais pas du tout revenir sur tout ce qui a été dit concernant les deux lois.
je rejoins Céline Arconche quand il dit qu'il y a franchement une nouvelle dynamique à installer au niveau du ministère de la Transition énergétique, parce que les deux lois, là, la 49, la 82-21, 2019 et 2021. Donc, c'est juste c'est pendant ce mandat qu'on voit les choses s'accélérer. Après, très clairement, au niveau de la mission, et je pense que c'est Simaoui, il va revenir dessus, il y a encore des choses, beaucoup de choses à régler, à fine-tuner pour que nos projets, comme l'a expliqué Sénat Roche, soient bancables. Parce que s'ils ne sont pas bancables, ils ne sont pas compétitifs. Je reviens à ce que vous avez dit. Effectivement, le tout tourne autour du mot compétitivité. Alors nous, moi, ce qui m'a vraiment extrêmement intéressé dans ce qu'a dit Madame la ministre, c'est le projet de stockage 2030. Parce que nous, au niveau de la FENELEC, s'il y a quelque chose qui nous dérange, c'est qu'on vient nous annoncer qu'il y a des projets, mais ce n'est pas forcément pour vous, les entreprises marocaines. C'est pour les entreprises plus grandes. Ce n'est pas qu'on veut éliminer les entreprises marocaines, sauf que nous sommes très pris par le temps et vous n'avez pas les capacités pour, et vous n'êtes pas compétitif. Souvent, nous mettent ça comme argument pour ne pas forcément impliquer les entreprises marocaines. Et étant donné qu'on devrait atteindre les objectifs fixés par le gouvernement, ben on va tout simplement zapper l'entreprise marocaine, zapper la valeur ajoutée marocaine. Ça, c'est un fait. Et là, nous, ce qui nous rassure dans le discours de Madame la ministre, c'est que ça vient checker quelques orientations données par Sa Majesté lors du discours que nous avons reçu lors de la première journée nationale de l'industrie tenue cette année, le 29 mars 2023, où Sa Majesté a parlé de la nécessité pour l'industrie marocaine d'accompagner le développement du Maroc, donc mettre vraiment l'industrie au cœur du dispositif économique de développement socio-économique du pays, se positionner aussi sur des métiers d'avenir, et là clairement, il n'y a plus rien à démontrer, mais quand on investit dans le renouvelable, au moins on s'affranchit d'une chose, c'est qu'on fixe pour 10 ans, 15 ans, le prix de l'énergie. Ce n'est pas le cas aujourd'hui pour l'ONE. L'ONE, aujourd'hui, une bonne partie de sa production d'énergie, elle est faite à partir de pétrole. Et donc, on prend plein fouet cette augmentation des prix. Et donc, le fait d'avoir de l'énergie renouvelable, très clairement, ça permet de tout de suite limiter ou de caper le prix de l'énergie. Donc, ça, c'est quand même un élément qui est important. L'élément pour nous qui est encore plus important, c'est cette visibilité. 2030, ça nous donne cette visibilité. Maintenant, il nous faut des chiffres. Nous sommes en 2023, pratiquement 2024, à 2023. Il y a beaucoup d'investissements qui se font dans la batterie, mais quelle part pour l'écosystème marocain pour l'énergie? C'est ça notre question au niveau de la fédération. C'est-à-dire, ça va se faire. Donc, quand Sa Majesté fixe des caps, le gouvernement suit, et donc ça va se faire, forcément. Donc il y aura du stockage, mais pour quelle valeur ajoutée pour l'industrie marocaine? Moi, ça me désole quand je vois que, par exemple, dans une région du monde comme la région MENA, ou plus exactement dans les pays du Golfe, ils ont des chiffres qui sont renouvelables, qui sont largement devant les chiffres que nous présentons. Bon, ils ont aussi les moyens, clairement. Ça nous interpelle quand même. Ça serait bien aussi que le Maroc se positionne d'une manière encore plus forte et que nous ayons des ambitions encore plus fortes, parce que je pense qu'il n'y a plus rien à démontrer concernant le renouvelable. Et donc notre demande, nous en tant que fédération, c'est que nous ayons d'une manière très claire et chiffrée quelles seraient les ambitions du Royaume à l'endroit de 2030 pour la batterie, pour le stockage. On peut le faire aussi avec Imovix, ou avec l'UM6P, ou avec l'ensemble des dispositifs académiques dont nous disposons. Et nous sommes prêts. Aujourd'hui, il y a plusieurs entreprises au niveau de la FENELEC qui travaillent sur la batterie, mais nous avons besoin aujourd'hui d'avoir de la visibilité, parce qu'il n'y a aucun patron aujourd'hui qui mettra des millions de dirhams ou dizaines de millions de dirhams de recherche et de développement sans qu'il y ait en face un engagement de la part de l'État sur la batterie. Attention, il ne faudrait pas peut-être confondre. Nous, on ne demande jamais à ce que, pour nos entreprises en tout cas, nous ne demandons jamais à être favorisés par rapport à l'international. Nous, on demande juste à être au même pied d'égalité
que l'international. C'est aussi simple que ça. Et très franchement, c'est pour cela que je vous dis, moi, je suis ravi d'entendre Madame la ministre, quand elle nous annonce qu'il y a un projet 2030 pour la batterie, nous, on demande d'avoir un peu plus de détails pour qu'on capte un maximum de valeur ajoutée, pour que cette batterie soit faite un maximum possible au Maroc. Merci. Merci beaucoup. J'ai continué sur un autre niveau par rapport à tout ça. D'abord, l'une des choses qui nous a le plus intéressé dans cette histoire de promulgation des deux lois, c'est le fait qu'elles soient finalement sorties. En fait, le délai est très lent. Là, vous voyez le 49, c'est-à-dire que la loi a été préparée en 2019 et elle est finalement sortie fin février 2023. C'est une excellente chose que les deux lois aient été promulguées fin février 2023 parce que ça a permis effectivement d'arrêter avec cette période d'attentisme qui a duré pendant des années. Et pendant ces années-là, vous avez beaucoup d'industriels notamment qui vous disent « attention, il y a les lois qui vont sortir ». Peut-être que ça sera beaucoup plus intéressant que ce qu'il y a. Donc, c'est une bonne chose de fait. On n'est pas forcément d'accord avec tout ce qu'il y a dans les lois. Mais elles sont là. Deuxième chose, par contre, qui sont justement dans ces lois, c'est qu'il faut qu'il y ait des décrets qui vont avec. Et malheureusement, les lois prévoient qu'il y a 48 mois, c'est-à-dire 4 ans, pour que, je sais que ça va être pas 4 ans, mais la loi de fait prévoit 4 ans pour que ces différents décrets sortent. Aujourd'hui, on a reçu, entre le mois d'août et le mois de septembre, on a reçu 6 projets de décrets sur lesquels on a répondu. Par contre, j'ai vu à Sima Hamid qu'il y a 8 projets de décrets que vous avez présentés, donc on n'en a reçu que 6, notamment celui des compteurs intelligents, on ne les a jamais reçus. Donc voilà, donc 4 ans, c'est beaucoup, sachant que 4 ans, à partir de la date d'entrée en vigueur, qui est en février-mai 2023, ça nous amène à 2027. Et au moins, on a au moins la taxation carbone qui est là. Donc en fait, voilà, ça, on devrait, et il n'y a aucune raison pour qu'on ne le fasse pas, ça devrait, on devrait aller beaucoup plus vite que ça. On a tendance, que ça veut dire? Ça veut dire aujourd'hui, on est au mois d'octobre 2023. Aujourd'hui, si on veut avoir un projet autorisé, on ne peut pas, parce que les lois sont en vigueur depuis fin février, depuis fin mai, et donc les décrets n'étant pas promulgués, n'étant pas encore complétés, aujourd'hui, si vous avez un projet en énergie renouvelable, dans le cas de la 49, vous avez un projet en autoproduction, vous ne pouvez absolument rien faire. Donc, c'est pour ça qu'on doit accélérer. Donc, aujourd'hui, on a une période transitoire pendant laquelle il ne peut rien se passer. Après, sur les lois, il y a beaucoup de choses à faire. On vous a envoyé, à Sima Hamid, on vous a envoyé nos commentaires et on pourra en discuter. Je sais qu'on a prévu de se rencontrer pour en parler. Il y a par exemple les frais, il y a beaucoup de frais de différentes sortes, des frais d'orientation, des frais d'études, des frais pour faire une étude d'acceptabilité environnementale, il y a beaucoup de choses. J'ai vu d'ailleurs dans la présentation de Sylvain Abou deux autres frais, je ne sais pas si on est intéressé, c'est ceux des frais de distribution et les frais de transport. Donc ça, je ne sais pas, est-ce qu'on est concerné pour ça aussi, mais ça, je ne les avais pas vus, par exemple, dans le cas de la loi. En tout cas, il y a beaucoup de frais. Et ce qui est aussi un problème, c'est que c'est des frais qui concernent donc l'ensemble des projets. Et quand on voit le seuil qui est bas, donc vous avez les trois seuils, dont, enfin les trois régimes dont vous avez parlé sur la loi sur l'autoproduction, le régime de déclaration, le régime d'accord de raccordement et l'autorisation de réalisation d'exploitation. Le régime bas qui est de déclaration, il est 11 kg. Et en fait, le deuxième seuil est à 5 mégas. Ça veut dire que les projets de 11 kg sont traités de la même manière qu'un projet de 5 mégas. Et ça veut dire qu'un projet de 11 kg, on a besoin d'une étude d'acceptabilité environnementale, on a besoin des études d'orientation, ça fait beaucoup de frais pour des petits projets. Et ça veut dire deux choses, que soit ces projets-là, ils ne seront jamais rentables économiquement, soit en fait, les gens ne vont pas déclarer ces projets. Et c'est pour ça qu'on dit qu'à chaque fois que les lois, elles doivent refléter la réalité aussi. Sinon, on fait des lois pour faire des lois et à la fin, c'est pas quelque chose qu'on peut réaliser. Il y a beaucoup de choses qu'on pourrait dire. Je reviens aussi à ce que disait Mme Hussevi tout à l'heure. L'ANRE avait lancé la fin de l'année dernière les timbres de transport pour la fin du premier trimestre 2023. Je ne crois pas qu'on ne les a pas encore vus. Donc ça fait partie des choses. Enfin bon, c'est une remarque, hein, parce que je sais, ça a été annoncé officiellement par l'ANRE, je me rappelle très bien, et qu'on ne les a pas vus. Voilà. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire, notamment aussi le régime de déclaration qui n'en est pas un, parce qu'il y a besoin d'un récépissé, et que le récépissé de déclaration, il faut un certain nombre de choses. Donc on se dit, est-ce que c'est finalement un régime de déclaration ou finalement ça revient de fait à une autorisation, parce qu'il faut tout ça. Il y a beaucoup de commentaires qu'on pourrait dire. Donc voilà, ce qu'on voudrait, c'est que ça soit plus simple et que ça aille plus vite, parce qu'on ne peut pas attendre 4 ans qui sont prévus dans la loi pour sortir tout l'arsenal
des décrets, et le but étant effectivement d'aller vers ce qu'a dit Madame la Ministre, ce qu'a dit Hadi, ce qu'a dit tout le monde ici, ça veut dire faire plus d'énergie renouvelable pour que ça soit moins cher, pour augmenter la compétitivité des entreprises dans le cadre de la taxation qui est à venir et qui a commencé d'ailleurs en octobre 2023 dans sa phase transitoire. Voilà, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais en tout cas, c'était juste un ensemble de remarques par rapport à tout ça. Merci. Merci beaucoup. Finalement, on a M. Kamal Hatout, le directeur stratégie et planification au sein de l'Office national de l'électricité et de l'eau, qui va nous parler en fait de comment l'ONE gère l'intégration croissante des énergies renouvelables dans le réseau, tout en assurant la stabilité et la fiabilité du réseau. Monsieur Hatout. Oui, bonjour tout le monde. Je suis désolé en fait de ne pas être parmi vous, alors que l'intention c'était d'être parmi vous aujourd'hui autour de pour discuter avec vous le sujet. Il se trouve qu'en fait j'ai eu des engagements professionnels qui m'ont pas permis en fait d'être avec vous ni aussi de commencer la discussion et le depuis le début. Maintenant effectivement en parlant de la stratégie de l'ONE. Concernant l'accompagnement de l'intégration massive des énergies renouvelables. Cette stratégie, elle repose d'abord sur le rôle important que joue l'Office en fait, par rapport à cette intégration, par rapport à l'intégration des énergies renouvelables, et qui est reflétée surtout pour être succinct directement, je vais directement en fait, pour parler du plan d'équipement. Le plan d'équipement qui est le plan des investissements prévus en moyens de production et de transport qui couvre les 5 prochaines années, mais qui donne en fait une vision sur l'évolution jusqu'à 2030, parce que l'objectif, comme vous savez ici au Maroc, c'est de dépasser le taux d'intégration des énergies renouvelables, en fait, le taux de 52%. Donc, ce plan d'équipement, en fait, il est là surtout en fait, pour, comme je l'ai dit, en fait, désigner ou, il prévoit surtout en fait, des moyens de production, de transport qui sont étudiés de façon optimale pour répondre à la continuité ou assurer la continuité de l'offre d'équilibre offre-demande. À l'horizon, là on est en train de parler de 2030, et il se donne en fait les moyens pour pouvoir le faire. Parce que effectivement, l'objectif étant de façon massive ces énergies renouvelables, vu les avantages que ça donne et ces énergies renouvelables qui sont plus à démontrer, mais tout en essayant, tout en maîtrisant et gérant en fait les gérants. En fait. C'est ça le plus important pour assurer la stabilité, comme vous l'avez annoncé dans votre question, votre présentation, effectivement la stabilité et la fiabilité du système entier. Donc, quelque part, intégrer un kilowattheure en énergie renouvelable, ça veut dire quelque part, d'abord, mis à part le point concernant le réseau, pour parler en fait de raccordement des moyens de production, mais d'abord, c'est l'accompagner par la réalisation de moyens de production, autres moyens de production, qu'on appelle moyens de flexibilité et de stockage aussi. En fait. Moyens de flexibilité, vous savez que le Maroc il a fait le choix de la filière gazière, et c'est la raison pour laquelle, je donne l'exemple toujours en fait de l'horizon 2030, on prévoit une augmentation de capacité au-delà qui dépasse les 2 gigawatts de centrales au gaz naturel, mais aussi on prévoit aussi des conversions qui permettent en fait des conversions au gaz naturel, et tout ça c'est des moyens de flexibilité qui permettent de répondre à la variabilité des énergies renouvelables et de l'intermittence que qu'apportent ces énergies au système électrique. Mais aussi on a besoin aussi de moyens de stockage. Là aussi, la stratégie de l'Office ou son plan d'équipement, il prévoit surtout en fait la réalisation de moyens de stockage qui valorisent d'abord le potentiel du pays. On a un énorme potentiel de STEP, les stations de transfert d'énergie par pompage, qu'on cherche à valoriser à travers ce
Et Kamel, on me signale que vraiment on a dépassé le temps, si vous pouvez conclure. D'accord, mais je vais être succinct. Donc en fait, je vais parler de moyens de stockage, les STEP notamment, mais aussi les systèmes de batterie, les systèmes de batterie qu'on a envisagé en fait intégrer au système électrique. Il y a la partie, parce que la question a été posée surtout en fait sur la partie réseau, il y a bien entendu le renforcement du réseau, et vous savez que l'une des particularités des énergies renouvelables, c'est qu'effectivement, on doit aller les chercher là où il y a le potentiel. Ici au Maroc, on parle d'un grand potentiel, tout le monde le sait, de l'éolien au sud du Maroc, donc c'est important en fait de renforcer le réseau pour permettre d'aller chercher ce potentiel. Et vous le savez, en fait, il y a eu pas mal de projets de renforcement du réseau à ce niveau-là. Il y a même en fait un grand projet prévu et programmé par l'Office d'une liaison qui liera le sud et le nord, qui liera le sud au nord. C'est une liaison qui permettra effectivement d'évacuer ce potentiel du sud vers les régions de consommation au niveau du nord du pays. Donc, parlons ici en fait du réseau. On est en train de parler de besoins de flexibilité en fait, dont on a besoin le système pour pouvoir absorber des quantités en fait le renouvelable, la quantité qu'on ambitionne en fait intégrer en renouvelable, et d'où l'importance en fait de renforcement aussi des interconnexions avec les systèmes électriques voisins, et notamment le système électrique européen. Donc, c'est quelque part, pour résumer, bon, M. Kamel, il a été coupé sans que je le coupe, en fait. Alors, merci beaucoup à tous les intervenants pour ces exposés. Alors, en parlant de l'horizon, le fameux objectif de sécurité qui dépasse ce... Pardon ? Pardon, vous me recevez, c'est bon? On vous a perdu un moment, c'est Kamel, et puis on a commencé déjà les questions-réponses. D'accord. Donc, en tout cas, j'étais en train de résumer quelque part et de résumer ce que je disais par rapport au fameux plan d'équipement du système électrique. Et pour dire quelque part, c'est un plan d'équipement qui prévoit bien entendu de dépasser les objectifs du pays en termes d'intégration massive des énergies renouvelables qui dépassent les 52%, et tout en basant en fait tout en reposant sur les évolutions technologiques du secteur et en se basant sur le potentiel du pays en termes de stockage, mais aussi sur les potentiels les évolutions technologiques. Je parle ici en fait de l'évolution des systèmes de batterie, mais aussi des moyens de flexibilité où on cherche la performance, les moyens de performance qui pourront en fait nous assurer la stabilité, la fiabilité, donc on va parler du réseau électrique avec l'intégration massive des émissions. Donc, quelque part, en termes de chiffres, c'est un des investissements qui dépasse les 20 milliards de dirhams par an. Donc, d'ici 2030, voilà. Merci beaucoup, Sikamel. Et merci pour tous nos intervenants. Maintenant, on va passer à la session des questions-réponses pour les deux panels. On a reçu en fait pas mal de questions et on a essayé en fait de les grouper par thème et par intervenant. Si, d'abord, pour M. Ahmed, on a reçu pas mal de requêtes. Si M. Ahmed, on a reçu pas mal de requêtes. Est-ce que cette présentation, est-ce que ces interventions vont être publiées? Il n'y a pas de problème au-delà de la publication des présentations. Donc, on est en train justement de finaliser un manuel de procédure qui s'appuie même sur un logigramme avec, c'est-à-dire tous les prérequis et toutes les pièces nécessaires pour une autorisation administrative donnée. Donc, pour les présentations, les publics, il n'y a pas de problème. Mais au-delà des présentations, on est en train de préparer un manuel de procédure qui sera mis à la disposition de l'ensemble des partenaires. Merci, Sir Ahmed. Alors là, il y a une question que l'AND, en fait. C'est pas une seule question, mais il y a pas mal de questions à l'ANRE. C'est en relation avec les tarifs. Merci de nous détailler le planning prévu par l'ANRE pour la publication des tarifs d'utilisation du réseau HTMT
et du timbre des services système. Alors, comme j'ai prévu tout à l'heure, la méthodologie pour la fixation de tarifs, elle a été publiée en début d'année 2022. On a anticipé sur la page de projet de loi qui a été en cours de finalisation à l'époque 49 ainsi que 82-21. Et dans la méthodologie, nous avons déjà prévu de séparer les deux parties. Ça veut dire on ne va pas publier un seul tarif, mais deux tarifs. Le tarif d'utilisation de réseau et le tarif des services système. Et ces deux tarifs, comme j'ai dit, on ne pouvait pas attendre vu l'intérêt de tout le secteur privé par rapport au tarif d'utilisation de réseau et le tarif des services système. Nous n'avons pas attendre la séparation comptable des activités de transport des autres activités de l'opérateur système et on s'est basé sur la comptabilité analytique de l'activité de transport pour fixer un tarif qui est en cours de finalisation et il sera publié prochainement. La date exacte, je n'ai pas de date exacte pour le moment, mais c'est vraiment parmi les chantiers prioritaires de l'autorité et il sera publié dans pas très longtemps. Merci. Oui. Cette question est pour M. Nakouch. On demande, c'est quoi en fait les principales remarques, commentaires fait par la Fédération de l'énergie. Merci. En fait, ce ne sont pas des remarques, ce sont surtout des clarifications, parce qu'en fait, la loi 49, les deux lois d'ailleurs, sont déjà publiées. Donc, les décrets d'application sont des décrets de mise en œuvre de la loi. Donc, il ne peut pas y avoir divergence, si vous voulez, entre les opérateurs et le ministère à ce sujet-là. En fait, moi je pense que vous l'avez dit tout à l'heure en introduction, c'est à l'OI, développer les énergies renouvelables, il faut deux piliers, une volonté politique et les textes réglementaires. Donc la volonté politique, elle est là. Elle a été annoncée par Sa Majesté que Dieu l'assiste depuis 2009 et elle a été confirmée tout à l'heure par Madame la Ministre dans son discours. Donc nos remarques, en fait, c'est pour que cette volonté politique soit traduite dans le texte. Et si je dois les résumer, ils sont au nombre de trois. D'abord, il y a les principes de transparence et d'équité dont on a parlé tout à l'heure. D'accord. Il y a un point important, très important, et en fait, c'est ce qui est attendu de la loi 49, c'est la non-ségrégation aussi bien des exploitants que des clients par rapport aux tensions. C'est-à-dire que, quelle que soit la tension de raccordement d'un client, il peut être alimenté par un exploitant, quelle que soit sa tension de raccordement de son site de production. N'est-ce pas? Et ça, c'est très important, parce que au niveau de la loi 13-09, il y avait une incompréhension, notamment pour l'accès des clients en tension aux installations raccordées aux réseaux de tension. Enfin, c'est un peu trop technique, mais pour simplifier, c'est ça. C'est qu'en fait, aujourd'hui, il faut que cette loi permette à chaque client éligible de pouvoir s'approvisionner en énergie renouvelable auprès d'un exploitant, indépendamment des tensions de raccordement de l'un et de l'autre. Et le troisième point, c'est la simplification des procédures et surtout la maîtrise des délais. Voilà. Donc, on a fait quelques demandes de clarification par rapport à tous ces points-là qu'on a transmis au ministère. Merci, Sénat Rouge. Si, Ahmed, il y a une question sur le décret des compteurs intelligents. Ils disent que vraiment, c'est un prérequis, en fait, pour tous les autres décrets. Ça veut dire qu'il faut avoir des compteurs intelligents pour pouvoir développer les énergies renouvelables. Est-ce que vous pouvez parler un peu plus sur ce décret qui nous a pris par surprise, en fait? Orienté beaucoup plus vers c'est Vnabo qui a élaboré ce décret, donc c'est le mieux placé pour répondre à ce thème. Merci. Donc, concernant la réponse de cette question, le compteur intelligent, il est intrinsèque. Il doit être installé au niveau des installations d'autoproduction parce qu'il donne, les chiffres de comptage pour savoir quelle énergie on a injectée comme excédent, quelle énergie qui a été soutirée. Donc, on aura besoin de plusieurs
paramètres et pour l'échange entre l'autoproducteur et le réseau. Donc, c'est obligatoire pour maîtriser ces différents paramètres tels que l'excédent, ce qui va être facturé, ce qui va être soutiré, l'énergie complémentaire, etc., le calcul du service système, etc. Donc, il est obligatoire pour ces installations. Mais ce qu'il faut ajouter, c'est que l'administration n'impose pas, disons, l'achat des compteurs intelligents auprès d'un producteur déterminé, mais il a le choix de choisir son compteur intelligent. L'essentiel, qu'il doit honorer un certain nombre de conditions qui sont dans ce décret, tout simplement. Merci. Merci. Maintenant, je vais passer en fait les questions qui sont là et puis on va ouvrir le débat. Est-ce que, par exemple, une question, est-ce que la nouvelle réglementation couvre également l'export d'énergie vers l'Europe? Une autre, est-ce que il y a les personnes physiques, ils ont été exclus. Est-ce qu'il y a, une perspective de changement à ce sujet dans l'avenir? Une autre question, merci pour ce webinaire très intéressant. Serait-il possible d'indiquer la chronologie de la collecte des commentaires des partenaires jusqu'à la publication du bulletin officiel concernant la loi 49? Alors, quelle est l'autorité de spectateurs anonymes 1526? Y a-t-il des travaux lancés entre différents acteurs du secteur, consommateurs et producteurs, pour aligner le besoin en génération d'énergie versus la consommation? Il semble que la décarbonation de l'industrie rend impérative des discussions entre la consommation et la production pour ne pas se trouver avec une génération excessive de l'énergie. Alors, il y a une autre question, c'est en relation aux procédures administratives locales et le rôle du gouvernement central, c'est le ministère de développement durable, notamment pour la mobilisation du foncier pour les projets dans les différents cadres réglementaires. Merci, M. Lahanaoui, pour ces questions très pertinentes. Je voudrais tout d'abord réagir par rapport au délai, parce que c'est un point qui est très important et auquel nous accordons également au niveau du ministère une importance capitale. Je voudrais juste préciser que si on est arrivé aujourd'hui à élaborer déjà les premiers projets et à les soumettre aux partenaires, c'est parce que ce travail a été entamé bien avant l'adoption et la publication des deux lois. Donc aujourd'hui, on commence à déjà voir les commentaires de nos partenaires et on est prêt à partir de la semaine prochaine, par exemple pour les commentaires de la Fédération de la MISOP qu'on a reçus, déjà à tenir des réunions pour aller plus vite vers des versions, c'est-à-dire concertées, sachant que ils devront être également soumis au secrétaire général du gouvernement qui devrait procéder à une lecture. Il y a une phase de publication pour l'enquête publique là, et puis la programmation après l'approbation et la publication. Donc, si on veut, c'est-à-dire atteindre cet objectif de publication rapidement, il faut qu'on accélère ce processus de concertation. Concernant le point sur l'export, c'est l'un des éléments clés. Aussi l'une des différences importantes entre la loi sur l'autoproduction et la loi 1309. La loi 1309, il prévoit justement au niveau de son article 26 la possibilité d'exporter de l'énergie vers l'extérieur, donc d'exporter de l'énergie. C'est une ambition qui a été affichée déjà au niveau de la première loi, c'est-à-dire publiée en 2010, mais aujourd'hui, on a le texte réglementaire afférent a été intégré dans le décret qu'on avait qualifié de décret de procédure administrative parce qu'il nécessite une autorisation également au niveau de l'administration et c'est bien parce qu'on commence effectivement à recevoir des demandes au niveau du ministère de partenaires étrangers qui souhaitent développer des projets au Maroc pour l'exportation à l'étranger.
Pour la question de la personne physique, je voudrais que la loi se précise que la loi sur l'autoproduction, c'est explicitement que les personnes physiques ont droit de développer des installations d'autoproduction. Donc, un citoyen donné a le droit de réaliser son installation. Et là, ça m'amène à une question qu'on reçoit d'une manière récurrente. Est-ce qu'un syndic, par exemple, au niveau d'un immeuble, a également le droit de développer une installation pour satisfaire ses locataires? Et là, je voudrais préciser que les deux lois, la loi sur l'autoproduction et la loi 49, permettent justement de réaliser ce genre de projet. La loi sur l'autoproduction, donc, c'est une personne morale, un syndic, c'est une association. Et la loi la loi 49, donc, si le locataire se met d'accord de contracter auprès d'une société privée, donc, ça sera un groupement. Et c'est, donc, sur le plan réglementaire, ce modèle ne pose aucun problème. La question sur le foncier, donc les deux lois ne traitent pas du volet foncier. Le foncier il est traité dans d'autres réglementations spécifiques et implique d'autres acteurs. Donc voilà, donc je laisserai peut-être à mon collègue s'il a d'autres éléments. Oui, et juste un complément concernant le foncier. Comme vous le savez, le ministère de la Transition énergétique et du Développement durable, il ne gère pas de foncier. Le foncier, il est assujetti à un certain nombre de régimes. Il y a le foncier, il y a le domaine public de l'État. Le domaine public de l'État, il est géré par le ministère des Équipements. Donc, il peut être occupé. Il y a aussi le domaine privé de l'État qui est géré par le ministère des Finances. Il peut être vendu et acheté. Donc, c'est le ministère de l'Économie et des Finances qui le gère. Il y a aussi le domaine des collectivités locales. Et c'est un domaine qui est géré par le ministère de l'Intérieur. Donc, ils peuvent donner des terrains, peut-être parfois gratuitement, aux investisseurs pour investir. Et il y a le domaine que vous connaissez, c'est-à-dire des différents particuliers, et qui peut être exproprié par l'État, mais malheureusement ne peut pas être exproprié par le particulier. Il faut soit faire des ententes directes avec les propriétaires, ou bien l'acheter directement de ces gens-là. Donc, pour le ministère, il n'a pas à vocation pour gérer ce foncier, quel qu'il soit. Merci. Si vous permettez, Sylvain, oui, juste deux points qui ont été soulevés, c'était justement le respect des délais, des procédures. Pour juste vous préciser qu'effectivement, un autre chantier sur lequel nous travaillons aujourd'hui, c'est justement la digitalisation des procédures, parce que les délais sont très courts, et justement le respect de ces délais qui implique également d'autres acteurs, pas uniquement le ministère. On est obligé de se concerter avec l'ONE, on est obligé de se concerter avec le gestionnaire de réseau de distribution, avec les agences de bassins hydrauliques quand il s'agit de projets hydrauliques. Donc tout ce processus pour les maîtriser et pouvoir justement délivrer les autorisations dans les délais, il devrait s'appuyer sur des procédures digitalisées, et même en assurant des interfaces avec ces acteurs. Un autre point qui a... Si vous permettez juste la question derrière, c'est qu'est-ce qui se passe? Effectivement, quand vous lisez les projets de décret, cool, on fait en fait des délais, avec un jour, 10 jours pour traiter chaque étape. La question derrière, qu'est-ce qui se passe s'il n'y a pas ce respect-là? C'est-à-dire, si vous respectez, c'est très bien de dire qu'il y a 15 jours pour traiter, à la fin, vous avez 3 mois peut-être pour avoir votre autorisation, mais qu'est-ce qui se passe si vous ne respectez pas les délais? C'est ça la vraie question derrière. Vous pouvez mettre les chiffres que vous voulez, si en fait, on ne vous répond pas, l'ONU ne vous répond pas, si par exemple, vous avez les capacités d'accueil qui vont être données par tous les gestionnaires de réseau le 30 novembre, si le 15 décembre, ils ne vous donnent pas, qu'est-ce qui se passe? Il y a beaucoup de délais, mais qu'est-ce qui se passe derrière? En fait, la vraie question, c'est qu'est-ce qui se passe s'il n'y a pas respecté? Cette question-là, si Khalid, il est traité au niveau de l'arrêté sur l'investissement, parce que j'ai précisé tout à l'heure que les procédures d'autorisation d'énergie renouvelable, elles ont été intégrées au niveau de l'arrêté sur l'investissement, qui précise justement que les autorisations devront être délivrées dans un délai d'un mois, et si, bien sûr, elles ne sont pas délivrées, donc ça c'est équivaut à une autorisation. Voilà. Si je peux intervenir sur ce point, ce qu'il y a deux niveaux. Il y a certains types d'arrêtés qui sont avec un délai de 30 jours. Le cas contraire, c'est un acquis. Il y a d'autres, donc il faut se référer à la liste. Il y a d'autres
qui ont 60 jours. Et il y a une troisième catégorie qui sont soumis à enquête, et je ne crois pas que les autorisations de production sont soumises à enquête, qui peuvent aller à plus de 2 mois. Mais et pour toutes les autorisations, elles sont dans la grille des 30 jours, à l'exception de 2 ou 3 qui sont dans la grille de 60 jours. Mais c'est déjà publié au bulletin officiel. Le décret précise qu'on doit se prononcer. On doit se prononcer, c'est-à-dire, oui, par exemple, on reçoit des demandes, mais avec des dossiers qui sont incomplets, on doit informer le développeur que son dossier n'est pas complet, il manque, c'est-à-dire tout en précisant les pièces comme. Donc, l'obligation au niveau du décret, c'est de réagir dans un délai d'un mois. Soit on donne l'autorisation, soit on répond au développeur tout en précisant les manquements enregistrés au niveau du. Si vous me permettez, je peux intervenir sur la question, parce que si vous voyez la majorité des textes de loi ou les textes de décret, chaque entité qui a un délai, passé ce délai, il est réputé avoir émis un avis favorable. Alors, la loi, je crois, il a voyé le cadier. Donc, on donne, par exemple, à une entité un délai, par exemple, d'un mois pour donner suite. Passé le délai, donc là, il est réputé avoir donné un avis favorable pour ça, à moins que je ne me trompe pas. Hein. Voilà. Excusez-moi, Monsieur Ahmed, pardonnez-moi. Aussi, j'aimerais bien ajouter, je n'ai pas vu qu'il a été présenté, le décret d'application de l'article 11 de la loi 48-15 qui porte sur les prescriptions techniques relatives aux conditions de raccordement et d'accès au réseau de moyenne tension de la distribution. On prévoit qu'elle sera modifiée également pour que ce sera le réseau de la distribution, parce que maintenant, avec l'ouverture du réseau de la distribution basse tension, j'imagine que le régulateur aura un rôle dans ce secteur, ainsi que la réglementation de l'utilisation de réseaux électriques de moyenne tension de la distribution. Parce que vous ne l'avez pas mentionné, je ne sais pas, il faut vraiment, c'était parmi les commentaires de l'autorité, de d'abord garder une vue d'ensemble sur tous les textes, parce que ces textes-là, vraiment, dans quelques procédures, il y a le GRD qui doit faire des études d'intégration, et c'est vraiment un traitement bilatéral entre l'utilisateur de réseau et le GRD concerné, alors que normalement, pour l'utilisateur d'un service monopole, il faut normalement que le régulateur intervienne. C'est vraiment la raison d'être du régulateur. Et c'était aussi parmi nos commentaires, c'est vraiment de garder une vue d'ensemble. Tout traitement bilatéral entre un service monopole et les utilisateurs de réseau, vous avez mentionné tout à l'heure, il faut demander l'avis de l'Agence de passage de Drédolec et d'autres organismes. Il faut aussi, dans plusieurs aspects, ajouter l'avis du régulateur. Ça, c'était parmi nos principaux commentaires, c'est prendre en considération cet article de la loi 48-15 et aussi de toujours garder en œil que dans toute interaction bilatérale entre service monopole et service ouvert au public, il faut toujours avoir l'intervention de régulateur. Décret d'application de la loi 48-15, ils n'ont pas été présentés. On s'est limité uniquement à la loi sur l'autoproduction, mais c'est des textes qui sont prévus, je pense, au niveau de la direction de l'électricité. Voilà. Exactement, c'est juste, ils sont très reliés, notamment ce dernier projet de décret pour l'ouverture de réseau de la moyenne tension qui abroge le précédent. C'est vraiment, ils sont très interconnectés. Et il faut toujours garder une vue d'ensemble sur tous les projets. Un dernier point, c'était un commentaire de Sir Khalid sur le rôle donné par ces trois fonds par rapport aux entreprises locales. Moi, je voudrais juste signaler une disposition importante qui a été intégrée au niveau de la loi 49, c'est la possibilité pour l'administration de recourir à des appels à manifestation d'intérêt. Et là, c'est, je pense, un des objectifs de cette disposition, justement, c'est qu'il se peut que l'État décide peut-être de lancer des appels à manifestation d'intérêt pour encourager les petites et moyennes entreprises à la lumière de ce qui a été fait pour Nord PV2. Et son objectif essentiel, c'était de donner aussi la chance aux petites et moyennes entreprises de contribuer à cette transition énergétique. Voilà. J'ai abusé de votre temps. Bon, je crois qu'on est arrivés vraiment à la fin de ce webinaire. Je tiens à remercier chaleureusement tous les intervenants. Oui, madame. Vous parlez à monsieur le Kadi Blam. Voilà.
C'est un client potentiel, d'accord. Les défis auxquels ont été soulevés par notamment le secteur, les professionnels du secteur. Je voulais aussi souligner que le ministère de l'Industrie place la décarbonation du secteur industriel parmi ses priorités. Et donc, quand on dit décarbonation du secteur industriel, ça passe essentiellement par la décarbonation de l'énergie. Et donc, ça veut dire c'est l'augmentation, c'est l'amélioration du mix énergétique utilisé par le secteur industriel à travers l'introduction des énergies renouvelables, objet de notre réunion ou bien atelier aujourd'hui. Donc, nous, on attend avec impatience la mise en place, la promulgation des différents décrets d'application pour accélérer, c'est-à-dire l'accès de l'entreprise industrielle donc, à cette énergie renouvelable, parce que l'entreprise industrielle elle est sous pression. Il y a plein d'exigences qui sont aujourd'hui sur table, notamment pour les entreprises qui exportent. Donc, elles doivent exporter des produits décarbonés et donc, elles doivent utiliser de l'énergie décarbonée. Et comme vous le savez, la CBAM elle est entrée en vigueur, je crois, à partir de ce mois-là. Et on a un deadline pour que nos entreprises soient prêtes pour garder leur marché à l'étranger et même les développer, c'est l'ambition du ministère. Donc, on est avec vous. On attend la publication pour accélérer cette transition vers des industries vertes, décarbonées et donc assurer, c'est-à-dire les ambitions du Maroc qui sont un développement durable avec bien sûr le développement économique et bien sûr et la préservation des ressources naturelles et de la santé. Je vous remercie. S'il n'y a pas d'autres exceptions, M. Khatib, si vous pouvez. Je profite de l'occasion pour remercier plus que 500 personnes qui étaient connectées par Zoom, sans bien parler des personnes qui sont connectées par Twitter et Facebook. Je remercie aussi l'ensemble des présents d'être mobilisés avec nous. Espérons que, sachant que pour les personnes connectées, on a reçu des centaines de questions, donc on n'en a regroupé que certains, mais l'ensemble vont constituer une synthèse pour pouvoir ressortir un peu les avis des uns et des autres et les prendre en considération. Merci.